Chers amis, abonnés Motors, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne du Sim Racing francophone. Vous êtes sur Benjix Motors, vous avez fait le meilleur choix possible, quoi qu'il arrive. Vous n'allez pas regretter le déplacement puisque ce soir, encore une fois, vous êtes dans la home of American Motorsports, plus que jamais sur la Motors avec le championnat d'IndyCar de la Red Frax Racing, troisième manche de la saison, direction Barber Motorsports Park in Birmingham, Alabama. Pour le coup, c'est là que va se dérouler donc ce troisième rendez-vous de la saison dans cette demi-semaine en Alabama, puisque aujourd'hui on est à Barber et demain nous serons à Talladega pour la NASCAR. Donc oui, on est vraiment dans les États du Sud là pour le coup, du côté donc de cette région de l'Alabama, donc pour vivre ce milieu de semaine. À mes côtés pour vous accompagner, pour m'accompagner bien sûr au niveau des commentaires de cette course, Mr Ludovic Pesé qui est à mes côtés. Salut Ludo, merci d'être avec moi, et puis on va passer, j'en suis sûr, un bon moment sur ce circuit. Alors on n'est plus dans le circuit urbain comme c'était le cas il y a de cela à peu près un mois du côté de Long Beach. On n'est plus non plus du côté du Gateway Infield qu'on avait sur la première manche. Là ici, on revient sur un circuit un peu plus traditionnel, on va dire. Ouais, salut à tous, salut à toi Benji. Et on est prêt, comme tu l'as dit, pour une nouvelle manche d'IndyCar sur un circuit qui donne pas trop de marge d'erreur, puisque comme on peut le voir, c'est gazon bac à gravier. Et en général, c'est un circuit qui demande beaucoup de concentration parce qu'il est assez court. Et comme on le disait d'ailleurs, comme ce championnat suit les manches réelles, pour ceux qui ont peut-être eu l'occasion avant de regarder les replays de Barber, on voit que La faute en peloton, ça peut emmener des carambolages type NASCAR, type Big One en NASCAR, parce que y a pas trop de dégagement et surtout des virages à l'aveugle. Donc on arrive pleine balle, et d'ailleurs une des premières courses de Romain Grosjean, je sais pas si tu te souviens, qui avait esquivé un Big One devant lui et qui avait prouvé qu'il pouvait se débrouiller en IndyCar, et depuis il signe quelques podiums, fait des bonnes positions. On a notre ami Simon Pagenaud aussi. Bien sûr, et présent ce soir une fois de plus pour s'entraîner justement en attendant le Grand Prix d'Alabama qui aura lieu ce week-end qui vient, justement, donc qui fait office de quatrième manche pour la saison d'IndyCar réelle, puisque il y a eu la petite escale du côté de Fort Worth aussi, qu'il n'y avait pas sur ce championnat de la Red Frax Racing, puisqu'on ne fait que les circuits routiers, pas d'ovale pour le coup, ici sur le championnat sur Factor 2, contrairement à la réalité où on va aussi sur ovale bien entendu. Et donc il vient une nouvelle fois s'entraîner face aux pilotes, aux sim racers, aux pilotes virtuels. Donc Simon Pagenaud, c'est un véritable terrain d'entraînement pour lui, des courses comme celle-ci. C'est clair. C'est toujours bien de se remémorer la piste quelques jours en avance. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y prend part, parce que d'avoir ça en tête quelques jours à l'avance, ça te permet de gagner du temps en général quand tu t'y remets. Donc je pense que c'est pour ça qu'il le fait. C'est pas juste pour avoir du fun. Et honnêtement, ça fait gagner du temps, surtout en practice, quand t'as pas beaucoup de séances d'essai, etc. C'est vraiment une différence, tu peux toucher un peu des réglages, savoir plus ou moins à quoi t'attendre. Il y a toujours un petit écart entre le virtuel et la réalité, mais c'est un gain de temps parce que tu vas pouvoir t'organiser dans tes setups plus rapidement que si tu n'avais pas fait de simu, tu t'es pas préparé, tu découvres ou redécouvres tout sur le tas. C'est clair, en tout cas, encore une grille bien pleine pour le coup ce soir, avec 32 pilotes. Oui, on a plus de voitures dans le championnat virtuel que dans le championnat réel, j'allais presque dire là, pour le coup, sans être mauvaise langue, mais franchement, c'est très plaisant d'avoir quand même une catégorie et même un championnat très très fourni pour le coup. On espère que vous aussi, les spectateurs et abonnés, vous appréciez de suivre cette saison, même l'ensemble des sports nord-américains, puisque on a quand même cette chance sur la chaîne du Sim Racing francophone d'avoir ni plus ni moins que l'IndyCar, la NASCAR et du sports car nord-américain sur iRacing, l'IndyCar étant sur R Factor 2,
Et puis la NASCAR, bien sûr, sur iRacing, qui reste un peu le terrain de prédilection pour cette discipline-là. Et franchement, ben voilà, c'est vrai que ça nous fait un portefeuille de programme en plus de tout le reste, qui est parmi ce qui se fait de mieux, tout simplement. C'est même le meilleur, la meilleure diversité de programmes qu'on puisse retrouver dans tout le sim racing francophone au niveau des retransmissions. Et puis en plus de ça, la haute qualité, le haut niveau aussi, et le vécu de la course de manière intense aussi. Parce que là, ici, hors de question de s'endormir quand on suit des courses sur la motors. On est bel et bien vivant, bien réveillé aussi. Et dès qu'il se passe quelque chose, vous êtes tout de suite alerté, limite par nos éclats de voix, je vais dire ainsi. Alors que je salue Flodder 10. Kevin, fais-nous rêver, s'il te plaît. Alors, je demande bien à quel Kevin s'est adressé. Peut-être Kevin Gouillat, le pilote de la FCT. Puisque y a Kevin Strugala aussi. Donc, ça doit être l'un ou l'autre, en tous les cas, qu'on retrouve dans ce classement là ici. Et participant, en tout cas, à cette épreuve de Barber. On va. On a, je crois, un troisième, Kevin. Non, j'avais cru voir. Non, on n'en a bien que deux. Voilà, et bien sûr, merci pour le follow d'ailleurs. Et salut à Valentin également, Valentin de Vaugelaire qui est sur le chat. Salut à Philippe alias Fanatic aussi. Bref, salut à tous ceux qui sont là, qui nous suivent. Et ravi de vous savoir présent et d'avoir fait le meilleur choix possible en étant avec nous ce soir. De toute façon, n'allez pas voir ailleurs, vous ferez chier. Je vous le dis clair et cash, c'est ici sur la Motors qu'il faut être de toute façon pour en plus avoir un pilote réel qui plus est, comme Simon Pagenaud, s'il vous plaît, là quand même, c'est pas rien de ce côté-là. Le point sur le classement du championnat, quand même, avant de se lancer pleinement dans cette manche ici de Barber. Donc c'est Devin Brown qui est en tête du championnat, le pilote allemand, même un doublé de pilote allemand, deux premières positions, 107 points pour Devin Brown. Puis ensuite Michi Hoyer avec 57 points, 56 points ensuite pour Simon Pagenaud à égalité avec Ricardo Fava. Donc on a un petit tir groupé là, hein, quand même, hein, pour les places du podium. Jeroen Goudesson, le pilote belge flandrien, 5e devant Michael Neveu, le premier deuxième pilote français derrière Simon Pagenaud, on va dire ainsi, mais premier pilote virtuel SimRacers, disons-le comme cela. Kevin Strugala ensuite à 42 points en 7e position, David Espèce à 40 points 8e, suivi par Alexis Errant pour la FCT à 35 points égalité avec Ludovic Mariani, notre collègue et ami de la chaîne Paddock TV, pas Paddock TV, mais Pumpkin TV plutôt, excusez-moi, voilà, on ne s'y trompe pas, mais voilà, on le salue aussi, pilote de la Angry Bull Racing Team, donc il complète le top 10. Alors je vous rappelle que si vous voulez retrouver le classement complet du championnat, c'est possible bien sûr par le biais du site simmanagementsystem.com. Vous pourrez y retrouver dans le onglet des événements championnat IndyCar by Red Frags, IndyCar 2023 by Red Frags, vous retrouverez le classement complet dans l'onglet classement pilote. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si le cœur vous en dit, si vous avez envie aussi de savoir où se trouve votre pilote favori dans le classement de ce championnat, bien sûr. Je vous donne le lien, je suis gentil, je vous donne le lien là sur le chat du côté de Twitch si vous voulez le retrouver dans son intégralité. 11 manches au total qu'on a sur ce championnat. On va vous rappeler une nouvelle fois aussi le calendrier avec donc la manche de ce soir, Barber Motorsports Park, Alabama. Donc c'est là que ça va se passer. On va arrêter sur le Worldwide Technology Raceway Road après Long Beach. Alors la prochaine manche aussi, ça, celle-là, il faudra pas la manquer. Le 7 mai, les 500 miles d'Indianapolis. Oui, on n'a pas d'Indy 500 sur iRacing, on n'en aura plus. En tout cas plus pendant un certain temps. Mais par contre, Air Factor 2 rattrape la mise avec la Red Flags Racing en l'occurrence. Donc rendez-vous le 7 mai pour vivre l'Indy 500. Ce sera en fin d'après-midi, hein, sur les coups de 17h en direct, bien sûr, à suivre sur notre antenne. Après cela, on ira sur l'Indianapolis routier une première fois. Puis Detroit, site dans les rues de Détroit, le 30 mai, ce sera bien à vivre sur notre antenne. Ça aussi, on vous le reprécise parce qu'initialement, ça a été remplacé par un autre programme. Mais au final, ce sera bel et bien donc la 6e manche chez nous aussi. Road America, Mid-Ohio. Le deuxième passage sur le circuit de routine d'Indianapolis avant de finir la tournée ouest américaine avec Portland et puis Laguna Seca comme cadre pour la finale de ce championnat. On dit, vous avez compris, hein, encore une fois, une saison qui va nous régaler et vous régaler aussi. Et ça, j'en reste évidemment bien persuadé comme il se doit.
Donc il va falloir être là présent de bout en bout. Surtout qu'on a quand même un début de saison assez intéressant, hein, assez rythmé aussi jusque là. Donc autant et on va espérer bien sûr que cela va continuer de plus belle encore ici ce soir du côté de Barber. Donc ce tracé là aussi, si on vous le présente là ici, tracé de 2,37 miles pour le coup, avec cette grosse araignée, hein, qu'on voit à un moment donné en bord de piste, hein, qui est un peu l'un des signes, on va dire, pour reconnaître ce tracé de Barber, très bucolique pour le coup, dans la campagne de l'Alabama en l'occurrence, non loin de Birmingham, le chef-lieu de cet état. Donc un excellent cadre avec d'ailleurs un musée de l'automobile, de la course automobile même, situé en bord de ce circuit. Exact, exact. Qui a été inauguré il y a pas trop longtemps, si, ou refait il y a peu de temps, si je me trompe pas. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Je dois avouer, à vérifier. En tout cas, on salue Robin Burgi qui est sur le chat également. Salut à Kevin STR TV aussi. Donc là, on est en caméra embarquée avec Kevin Gouya qui vous emmène sur ce tracé de Barber, justement. Cette longue parabolique droite, cette petite remontée, ce léger droit avant cette grosse zone de freinage là ici. C'était un peu avant cette zone de freinage, hein, qu'il y avait eu le fameux Big One dont tu parlais tout à l'heure, qui avait évité Romain Grosjean dans une de ses premières participations en IndyCar. Ensuite une bonne réaccélération avant un autre gros frein et un corkscrew entre guillemets un peu différent, hein, de celui de Laguna Seca, mais ça reste quand même en aveugle, ça reste quand même assez traître aussi. On a souvent tendance à sortir de la piste et tirer tout droit justement dans la chicane. Et puis alors là, cette portion de pleine charge qui est un régal absolu quand on est derrière le volant, ça je peux vous le dire. Là ça passe pas à fond, faut quand même y mettre un petit coup de frein. Et puis ensuite on arrive vers la fin de ce circuit avec l'entrée au stand qui se situe ici sur la gauche, bah justement où va aller Kevin Gouya, alors que si on restait sur le circuit, eh ben, on tournerait vers la droite pour le coup. Ouais, pas mal en dérive là pour le coup Kevin Gouya, donc... Et là ici on retrouve notamment Andrés Valles avec des couleurs qui me rappellent une certaine époque. Hein. Ouais, exactement. Ouais, hein. L'époque Penske Racing. 90. Hein. Ouais, Penske Racing, des couleurs Walking Show comme ça un petit peu. D'un célèbre cigarettier aussi, surtout. Exactement, avec d'ailleurs le S2C en hommage sur l'avant. Bah oui, exactement. Et ce petit clin d'œil. Et là on voit une auto, si je me trompe pas, aux couleurs de Connor Daly, si je trompe, je me trompe. Alors là, pas, on a une voiture de la FCT, en l'occurrence, hein, celle... Ouais, peut-être inspiration Connor Daly, là, avec le Pit Nile et... Ouais. Il y a peut-être de l'idée, effectivement, oui, ce serait pas impossible. Peut-être qu'ils sont fans, hein, et en tout cas, c'est un pilote qui a de bon design, connu notamment pour avoir un certain casque aux couleurs de Pokémon. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Et qui avait couru aussi la première manche d'IndyCar cette année avec un casque en hommage à Ken Block. Oui, on regrettait Ken Block qui nous avait quitté au mois de janvier dernier, bien sûr. Et qui est le monde du sport auto, hein, aussi, qui a encore été marqué il y a quelques jours d'ici avec aussi la disparition de Craig Breen, hein, qui a été longtemps, ouais, nombreuses fois évoqué tout au long du week-end dernier lors du rallye de Croatie en championnat du monde WRC ce week-end. Donc voilà, c'est sûr que voilà, le monde du sport auto qui était en émoi. Petit Yann, merci pour le raid, merci beaucoup, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent via la chaîne de Petit Yann. Duke, Alex Brown, salut, et merci en tout cas à tous ceux qui follow, tous ceux qui vont sub aussi, les réseaux sociaux de la moto. On en profite du coup pour vous les présenter. Pour ceux qui arriveraient, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la chaîne, rendez-vous sur la page Facebook @BenjixMotors bien sûr, aussi sur Instagram avec de nombreuses publications, de nombreux partages faits aussi en story via Instagram, des bonus inside exclusifs sur des événements réels aussi, YouTube bien sûr pour retrouver tous les replays disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7 gratuitement, et puis Twitch, donc c'est là où se passent tous les lives de la chaîne, toutes les retransmissions que vous pouvez suivre dans leur intégralité. Et si vous êtes sub, vous avez même l'accès en avant-première au replay
le temps de la mise en ligne sur YouTube ensuite, hein, qui peut parfois prendre un certain temps. Donc du coup, vous avez ce petit privilège là si vous êtes abonné premium entre guillemets, en plus d'avoir badge d'abonné, emoji exclusif et retransmission sans les coupures commerciales que Twitch pourrait vous afficher pendant les lives. Merci Petit Yann en tout cas, et ben on espère que les spectateurs qui viennent de la chaîne de Petit Yann vont apprécier le spectacle ici où ben, sont des passionnés. Sport auto, on espère évidemment, et comme nous tous, hein, un tout petit peu également. Bah, c'est le cas aussi, bien évidemment, via la chaîne de Petit Yann en l'occurrence, et que je vais de ce pas d'ailleurs follow aussi, tant qu'à faire. Voilà, autant rendre les choses de manière logique et légitime pour le coup. Voilà, donc il me fait raid, c'est normal que de follow en retour, et puis bah, d'aller de temps en temps zioter ce qui s'y fait. Voilà, aussi, donc. Autant entretenir un bon réseau, une bonne entente, ainsi interchaîne. Donc ça, c'est pas plus mal. On va voir donc la grille de départ qu'on va vous détailler d'ici quelques instants. Là, pour l'heure, les véhicules sont regroupés derrière le Pescar. Il va y avoir un tour de formation. Et puis ensuite, on va partir pour une heure pleine de course, pour le coup. Et on espère que vous allez vous régaler une fois de plus. C'est parti pour ce tour de formation. Donc sous le commandement du safety car, du pace car plutôt, piloté par Régis Berthoumieux, en l'occurrence membre de la Red Frags Racing. Et donc on y va pour cette grille de départ avec la pole position qui a été signée par Michi Hoyer devant Valentin Soleillac. Simon Pagenaud s'élancera aux côtés de David Lespès sur la deuxième ligne de cette grille de départ dans ce cadre bucolique. Arthur Fouché, Jeroen Goudesson, suivi par Kevin Gouya, Marc Veit pour ce qui est des troisième et quatrième lignes de cette grille de départ. Ensuite, Alan Larquemin aux côtés de David Van Mullem, Ricardo Fava aux côtés de Nicolas Mel, voisin de la chaîne, situé dans la même ville que cette dernière d'ailleurs, pour un petit rappel. Amine Souissi, Théo Ducasse, Innocenzi, puis ensuite Gérald Gandebeuf aux côtés de Kevin Strugala, qu'on retrouve sur la ligne numéro 8. Ligne 9 pour Tobias Blumschein, Andrés Valles, Jean-Christophe Marcieca, j'espère que je prononce bien, Rodrigo Oviedo ensuite pour la dixième ligne de cette grille. Ligne 11, Michael Neveu, Mathieu Leclerc, Jérémy Soulet ensuite aux côtés de Stanislas Pajot, notre consultant qui ce soir sera derrière le volant pour le coup. Donc en 24e position de la grille, Pierre Moulinet, Julien Lemoine ensuite, Samy Layouni aux côtés de Yann Meurant. Et ce n'est pas encore fini, je vous rappelle, on a 33 voitures qui sont engagées sur cette course. Michael Ramos aux côtés de Geza Cormos, David Lévis, Rodrigue Castard, avec des couleurs là aussi un peu historiques qui rappellent les Jordan F1 du début des années 2000. Et puis enfin, le 33e de cette grille, eh ben, il n'y en a pas. On a 32 pilotes au final et non pas 33 comme je le pensais initialement. Attention, les pilotes vont se lancer dans la ligne droite, et puis on sera parti pour une heure de course, un tout petit peu moins d'une heure, soyons honnêtes. La caméra, angle de caméra, ce sera mieux. Voilà, ça respecte bien les vitesses en tout cas, ouais. Bien côte à côte. Chouilleur qui donne le rythme, et ça y est, on est parti. Le top départ qui est donné ici à Barber, et tout de suite Valentin Soleillac qui était sous la menace derrière de Simon Pagenaud pour la deuxième position. Pas de changement pour l'instant, pas d'incident non plus à signaler, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout se passe bien pour le mieux jusqu'ici. Attention quand même, cette première zone de freinage, on va quand même surveiller parce que bon, on n'est jamais à l'abri. Attention, ça bloque un peu pour un pilote de la FCT derrière. Ah, l'arrière là, ça avait un peu 4 de front, là, j'ai pu voir. Oui, derrière, oh, c'est parti pour une voiture déjà. J'ai une voiture en perdition un tout petit peu. Alors, on va essayer de l'identifier, c'est peut-être celle-ci, voilà, celle de Jean-Christophe Marcieca, en l'occurrence. Et c'est dans cette chicane en descente, tout va bien là aussi. Pas de soucis majeurs à signaler, Mitch Hoyer qui a déjà pris les commandes, et un peu d'avance, ouais, qui plus est, le pilote allemand. Exactement, il a creusé un petit gap là, je pense pas que ce soit plus d'une seconde en tout cas, mais il a un peu d'air... Il peut se gérer. Ouais, voilà, un peu moins d'une seconde comme je disais. Hein. Voilà. Cette dixième, il peut se gérer. Par contre derrière, ça va essayer de recoller et tout donner parce qu'il faut pas se faire distancer. Hein. Ça c'est clair. Ici duel entre notamment Andrés Valles face à Gérald Gandebeuf.
Juste derrière Tobias Blomshain, là ici. Hop là, on va presque se toucher là ici. On voit pas mal de pilotes aussi en Firestone Red, Firestone Red, ouais. Firestone Black. On rappelle les deux montes thématiques possibles. Les tendres sont les rouges, les durs sont les noirs. Et ça passe. Attention, Gérard Gandebeuf qui a la perte un petit peu de sa voiture, mais qui la rattrape tout de même très bien. Totalement, il a sauvé l'affaire. Ouais. Donc plutôt pas mal, ça lui évitera de perdre trop de temps. Et on voit notre fameuse livrée Ayrton Senna Penske qui essaie de lui aussi de remonter, qui est poursuivi si je me trompe pas par une Brabham. Hein, si je, ça y ressemble en effet, oui. Oh, il a fait un petit passage par le gazon. Ouais, petit passage mais sans grosses conséquences, fort heureusement. Et à l'avant ça se rapproche, hein, il n'est plus que 3,5 dixièmes. Alors est-ce qu'il a fait. Est-ce que Michi a fait une petite erreur? Bonne question. On est tourné en 1,07,4 au tour précédent contre 1,07,2 pour Valentin Soleillac en l'occurrence. Et puis regardons les pneumatiques. Bah, il est en pneu tendre en fait, Valentin Soleillac. Alors que dans le secteur 3. Pneu dur pour Michi Hoyer en l'occurrence. Et un drapeau jaune dans le troisième secteur. C'est Julien Lemoine coincé dans le bac à gravier du dernier virage, enfin de l'avant-dernier virage en l'occurrence, mais c'est bon, il a pu repartir. Venons devant. Et d'ailleurs, à Barber, ce qui est intéressant, ah bah drapeau jaune, d'ailleurs, encore, bah oui. Ce qui est intéressant, c'est aussi la gestion du fuel. Parce que vu que c'est un circuit vallonné, en fait, dépendant de la manière, si on sait le faire, bien le faire ou le faire tout court, avec le lift and coast, ça peut changer, ça peut faire la différence. Mmh. Ouais, complètement, hein. Faut bien aussi gérer le carburant comme il se doit. C'est clair et net là aussi, de ce côté. Et d'ailleurs, c'est mon Pagenaud qui doit être en black, hein, si j'ai pas de bêtises, j'ai l'impression. Alors, on va essayer de voir là, ici comme il faut. Je crois qu'il est effectivement en Firestone Black, alors qu'on a Kevin Gouya dans la voie des stands. Ah ah ah, qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote de la FCT? On va peut-être essayer de revisionner ce qui s'est passé pour lui. Ça s'est passé un peu plus tôt dans le tour, donc on va remonter un tout petit peu dans le temps pour le coup. Essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Alors, il était déjà passé par la voie des stands une fois, une première fois dans le tour numéro 1. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Alors forcément avec cet angle là de caméra on va pas y voir grand chose. Mais qui est rentré au stand, non? Il n'y a pas de... Ah bizarre. Peut-être qu'il a eu un problème technique, son volant pédalier ou quelque chose du genre. Oh, Pierre Moulinet! Voiture en feu! Voiture en feu pour Pierre Moulinet! Oh, pop, 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 qu'est-ce qui lui est arrivé là, Pierre Moulinet? Oh là là! Ah oui! Oh, qui a complètement explosé sa monoplace! Ah, il a transformé en Morgan Three Wheelers là. Oh là 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 là, mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé là pour Pierre Moulinet, pilote ADS là ici, sur ses derniers instants. Et ça fait un moment apparemment qu'il était dans ces conditions là. Ah, alors. Peut-être un contact. Un virage rapide. Et ici avec le vibreur qui l'a désarçonné. Ouais. Et ensuite et là, il a tapé de plein fouet. Oh là 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 là, ouais. Il a été s'exploser contre le rail là, malheureusement, Pierre Moulinet. On pouvait pas faire grand chose de plus malheureusement. Et du coup cette voiture qui ensuite a pris feu, surchauffe au niveau du moteur bien sûr. Ah là ça pardonne pas là. Ah bah non là clairement. Ah on voit il était trop à l'extérieur. Et ouais et la roue sur l'herbe à la réaxel. Un poil hein, ça s'est pas joué à grand chose mais suffisant pour fauter et se retrouver dans cet état là. C'est ça, exactement. On a deux pilotes out pour le moment. Ouais, enfin on a Kevin Gouya qui est au stand. Il est pas encore déclaré. Ah si, il vient d'être déclaré out à l'instant. En effet, bien vu Ludo qui a eu une prédiction. Et Michi qui a recreusé le gap là, qui est repassé à plus d'une seconde d'écart. C'est Simon qui se fait distancer, mais comme on l'a dit, bon, s'il est en black par rapport aux autres, ça peut s'expliquer aussi, hein, c'est la subtilité des pneus comme tu l'as dit tout à l'heure, donc après le reste ça reste assez proche, hein. Il n'y a pas tant d'écart que ça, donc il faut être vigilant parce que la moindre erreur, comme on disait, Barber ça pardonne pas, hein, comme on l'a vu, donc c'est assez facile de perdre des places et surtout d'en gagner. Mm. Et c'est une piste qui est connue d'ailleurs... en IRL, qui est connu pour ses fameux dive bombs. Oui, c'est une piste qui prête à ça. Hein.
Et Nicolas Lemaitre qui vient de passer devant David Van Mulem ici pour le gain de la 8ème position. Et là pour le coup, Joel qui se poursuit avec aussi Ricardo Fava qui est juste derrière. De nos nombreux pilotes pan-européens qu'on a sur ce championnat. Pilote allemand, pilote français, pilote belge aussi, pilote également italien, espagnol. On a un peu de tout au niveau des nations représentées. Alors qu'on a Jean-Christophe Marcieka qui sort des stands. Et Théo Ducas Innocenzi aussi qui était et avec une voiture endommagée. On va peut-être comprendre pourquoi il s'est retrouvé avec une voiture dans cet état. Là pour le pilote de la Red Frags Racing. Drapeau jaune secteur 3 pendant ce temps-là sur le live. Alors, ça fait un moment qu'il avait perdu son élan. Ça devait être dans le début du tour. Donc forcément, désolé, on peut pas faire autrement. Contrairement à iRacing, on est obligé de faire une remontée aussi lointaine. Oh, c'était en début de tour en plus. Oh là 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 là. Et c'était pas tout seul dans cette affaire. Ouais, oh là, j'ai l'impression qu'il était deux ou trois dans cette histoire-là. Ah oui! Quel dommage! Quel dommage! Avec, j'ai l'impression que c'était. Est-ce que c'était pas avec Stanislas Pajot justement? Ben si, c'était avec notre consultant! Avec Stan là qui était du coup dans. Il s'est fait embarquer, hein. Oui, je pense, oui, en effet, dans cette affaire. Mais qui semblerait n'a pas été dommage parce que le bac à gravier l'a arrêté pile au bon endroit. C'est ça. Ouais, magnifique ce changement de caméra, hein, R-Factor, là ça nous aide beaucoup dans l'analyse de l'incident. Ouais, il est de la chance, le bac l'a vraiment stoppé. Ah ouf, oui, c'est ce qu'on appelle les angles morts. Hein. Ouais, là, malheureusement, virage un peu à l'aveugle, circuit vallonné. Et c'est ça. Angle mort, on passe en même temps et. Voilà. On revient sur Mitchoyer et Valentin Soliac, 4 dixièmes à nouveau d'écart. Et ça, oui, ça fait un peu lieu à l'avant. Ça fait lieu comme il faut. Pour l'instant, on a aussi quelques changements dans le classement, notamment Arthur Fouché là qui s'est fait doubler par David L'Espèce là à l'instant. Alors que le Mazizien qui nous dit le retour en piste, effectivement, il sera à la direction de course ou juger s'il y a quelconque décision bien sûr à prendre dans cette course. On a à peine fait les 10 premières minutes, hein, donc on est vraiment qu'au tout début de cette épreuve de Barber. On va essayer de voir si on arrive à avoir des infos des pneumatiques ici. Alors voilà, alors si ce que vous avez en P, c'est les pneus prime pour le coup. Donc c'est les pneus, autrement dit, les pneus durs. Et les pneus A, c'est les alternate. Ça, c'est les pneus, autrement dit, les Firestone Red. Donc les pneus tendres pour le coup. Donc P, c'est les pneus noirs. A, c'est les pneus rouges. Histoire de vous y retrouver. Donc salut Alban Bouquet. Luigi Alban. Luigi le bouquet, s'il vous plaît. Salutations. Et soutien Valentin Soleillac, pour le coup. Qui est ici à l'image. Là, pour l'instant, est toujours à moins d'une seconde de Mitchoyer, pour l'instant. On parlait encore, il n'y a pas longtemps, plus de ça, de Mr. Alban Bouquet, justement. Je sais plus, c'était à quelle occasion. Je crois que c'était... c'était pas sur le super samedi endurance il y a un peu plus d'une semaine avec le Road America 500 et la course de Spa-Francorchamps de l'European Endurance Championship de la FFSCA où Alban c'était une performance de fait le DJ pendant quelques minutes, de longues minutes ainsi, mais qu'on savourait bien pendant une endurance, je crois que c'était pendant les 24 heures du Mans à iRacing, il y a quelques années, si j'avais bonne souvenance. Il serait pas à me corriger si jamais je me fourvoyais là-dessus.
Et là, il y a du monde, hein. Nicolas Mel, Mark Veit, Jeroen Goudesson, Ricardo Fava qui est pas très loin derrière. Ils sont live de la eSport Performance Racing Team. Eh ben voilà, j'avais bonne mémoire. Voilà. Même si ça remonte à quelques années, je suis pas encore bon pour la retraite, hein, moi. Je suis pas encore bon pour l'EHPAD, hein, je vous le dis, hein, dans le sim racing. Attention, hein. Certains essayent de m'enterrer, mais vous inquiétez pas, je suis toujours bien vivant. N'en déplaise à certains, peut-être aussi. Mais bon, je dis ça comme ça, évidemment. Ah, bah c'est le jeu de la concurrence. Oui. Bon, encore faut-il qu'elle soit saine aussi. Mais bon, bref. Attention, oh, Mark Veit qui a freiné tard. Ouais, bah quand on parlait de dive bomb, on a eu l'exemple. Bah voilà. Bah là, du coup, ça peut profiter à Ricardo Fava, là, ici, sur cette relance. Donc, pension rapide ici, comment t'as mis. Moi, le premier, attention, c'était bien drôle, nous dit-il, Albon. Ah bah j'imagine. Ça faisait de l'animation, n'était pas con. Gérald Gandebeuf qui est au stand pendant ce temps-là. Pas mal de pilotes qui ont déjà fait un passage par la pit lane. Ouais, il n'y a pas tant de tours que ça. Et bon, les stratégies vont battre leur plein là, hein, parce que c'est un petit circuit, tout est dans la strat, hein, que ce soit au niveau des pneus, du refueling et du calcul, vu que c'est un circuit assez court. Il y a des gens qui vont tenter des undercuts, des overcuts. Donc c'est intéressant à suivre. C'est ça. Un petit point sur notre consultant, là, Stanislas Pajot, là, qui est en course là pour le coup. 18ème place. Oui, hein, lui qui était avec nous aux commentaires sur les deux premières manches, et ben, ce soir il a décidé de passer de l'autre côté de la barrière, hein, pour le coup. Bien le bonsoir, Makes. Rejoins le chat. Donc, on revient sur Jeroen Goudesson, Nicolas Mel, Mark Veit et Ricardo Fava. Un peu étonnant. Ah, ouais, secteur 2, drapeau jaune. Oh, drapeau jaune, en effet, dans le secteur 2. Je crois qu'on vient de le passer. Donc, Ouais, ça a dû être peut-être une petite sortie. Qui est vraiment resté pas longtemps. Alors, le souci, c'est que. Là, ici, on n'a pas forcément une information secteur 3. Concrète. Ou alors quelqu'un qui roule peut-être au ralenti, puisque ça a suivi. Peut-être. Et comme tu dis, on n'a pas toutes les infos. Donc ça... Mais c'est ça le problème d'Air Factor. Encore une fois, dire oui, arrête de comparer avec iRacing. C'est que sur iRacing, dès qu'il y a un incident, on a l'information. Malheureusement, exactement. Sur Air Factor, vous jouez aux devinettes. Et c'est pour ça que je l'ai déjà dit, que j'ai déjà milité. Et j'espère que s'il y a des membres d'Air Factor qui nous écoutent et qui peuvent voilà, écouter cette piste de solution, force de proposition ici de solution, alors qu'en pensant cela, Andrés Valles face à Ricardo Fava, c'est en train de passer, c'est d'avoir peut-être un code couleur d'indiquer dans nos outils de live timing ou de mode spectateur pour justement nous donner l'information de savoir qui est hors piste. Parce que là, on a l'information comme quoi il y a un drapeau jaune déployé dans un secteur chronométré. Ok, mais voilà, il faut à chaque fois qu'on devine, on n'est pas forcément aidé quoi. Donc s'il y avait cette possibilité là d'avoir cette petite piste d'évolution, ah bah, on ne dit pas non. Ça changerait l'avenir clairement. Ça nous aiderait grandement. Voilà, on sait qu'ils sont à l'écoute, on sait qu'ils sont toujours prêts à améliorer leur simulateur et c'est très très bien. Mais voilà, ça fait des années. Je vais pas dire que je tape des pieds et des mains et que je milite pour que ça soit implémenté pour nous les commentateurs et diffuseurs. Donc, s'il vous plaît, Alstublift. Et là, par contre, il y a une strat. Oh, Nicolas Bell, ici sur Jeroen Goudesson. Eh ben, beau dive bomb. C'est passé. Et c'est passé. Mais à l'intérieur, à la Penske. Ouais, Andrés Valles là. Ouais. Mais Jeroen Goudesson qui repasse, peut-être aidé par le push to pass également. Oh là 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 là. Attention, là, on va traverser piste. Oh, c'est un miracle. Alors là, incroyable. C'est un miracle que personne n'ait été percuté dans cette sortie. Là, incroyable. Il peut aller mettre un cierge là. Oh là 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 là. Là, on a eu extrêmement peur quand même sur ce coup là. Comme on dit, il a perdu une vie là. Ah là, je pense que là, comme disait un ancien collègue de chaîne, s'il avait nos livres entre les fesses, là, il a fait de l'huile première pression, mais vraiment très première pression là.
Oh là 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 là! Oh, incroyable! C'est. Ouf! Et Yerun Godesson et Ricardo Fava qui en profitent pour rentrer au stand! Au bout de même pas un quart d'heure de course! Ouais, et j'ai l'impression qu'en fait Pagenaud il est sur une stratégie parce que. On voit que Valentin Soliak est à seulement 8-9 dixièmes de Michi, mais Pagenaud il est à 13 secondes et je pense que Pagenaud. Vu qu'il est en pneu noir, il essaye de faire une stratégie pour se décaler un peu des autres. Ah, il a sûrement save du fuel. Mm. Et c'est pour ça qu'il a laissé un gap, parce que peut-être qu'à la fin, son économie de fuel et le reste va lui permettre de creuser l'écart et s'arrêter de façon décalée, plus lointaine, et peut-être même à la fin de faire un arrêt de moins que les autres. Ça peut faire une différence. C'est tout à fait envisageable cela, effectivement. Valentin Soliak toujours sous la seconde d'écart par rapport à Michi Hoyer. Michi Hoyer qui ne parvient pas à s'échapper. On rappelle encore une fois, Valentin Soliak est en pneu red. Alors que Andrés Valles, Nicolas Mel, il s'est passé quelque chose, j'ai l'impression. Parce que entre les deux, ça s'est échangé. Non, ça rentre au stand pour Nicolas Mel. Et il n'est pas le seul à s'arrêter. Il y a Andrés Valles aussi, Alan Narquemin aussi. Regroupé du côté de la team FCT eSport. Présent en nombre hein, sur ce championnat. C'est même l'équipe la plus représentée pour le coup, la team FCT. Avec Arthur Fouché, avec Kevin Bouya, avec Nicolas Mel, Mickaël Neveu, Alan Narquemin, Alexis Errant aussi, même si certains ne sont pas présents ce soir pour le coup. Kevin Bouya qui a déjà été contraint à l'abandon de son côté. On trouve aussi Stanislas Pajot face à Mickaël Ramos pour la 15e et 16e place. Voilà, un petit peu de poussière soulevée là ici au passage, ouais. La monoplace juste devant. Et là il y a un petit train qui va commencer à s'installer, peut-être. Et là, on les yeux dans le cockpit là, avec Ramos. Avec cette fameuse canopie ou ce cockpit en plexi et différentes matières qui change un peu de la F1 où là on a l'impression d'être vraiment dans un avion de chasse. C'est ça. Au lieu d'avoir le halo ici, on a l'aéroscreen en l'occurrence en IndyCar, on rappelle. Et ce qui est assez marrant puisque l'aéroscreen était une solution. C'est vrai. Qui a été co-créé par Red Bull Technologies. Exactement. Qui est encore parvenu en F1, mais je pense que c'est qu'une question de temps, pour être honnête. Ça peut être une piste d'évolution, ouais, comparé au système actuel en place. Ah, ça tente le dépassement. Oh, non, ah, mais il se ravise. Ouais. C'est un pilote retardataire là qui est juste derrière Mickaël Ramos. Ça n'est pas Nicolas Mel. Ah, il y a quelqu'un qui fait un traversé de bac à gravier, tête à queue. Ah, voiture oui. Jaune. Voiture jaune. Et peut-être ma petite idée, c'est peut-être. Non, c'est pas Geza Cormos. C'est Yann Meurant en l'occurrence. Qui est parti à la faute. Alors, qu'est-ce qui est arrivé là, ici, à la sortie d'épingle. Petit trou dans l'air peut-être. Sur la réaccélération, je pense. Alors... Eh oui. Ah ouais, remise des gaz, ouais. C'est un peu le coup classique hein, ici ouais. À Barber. Il s'en sort bien, il a pas cassé son aileron malgré qu'il ait touché le rail. C'est ça. Encore heureux, il peut en effet s'en sortir. Et bah là on voit hein, la stratégie, regarde. Valentin qui est premier, Simon qui est deuxième et. Ouais. Voilà. Et Michi qui est quatrième et qui est dans les pits, donc allons voir, ça commence à se décanter. Ouais. Il y en a d'autres hein, qui sont au stand. Hein. Oui, hein, Stanislas Pajot notamment. Il y a aussi. Là, c'était le seul, là, en l'occurrence. Voilà. C'est un peu, on va dire, chacun son tour hein, au niveau des arrêts au stand qui sont faits. Tu
8 minutes de course encore restantes. Et Mitchell forcément qui avec des pneus bah, neufs va forcément tout doucement remonter, même si là il se heurte à une difficulté, en l'occurrence celle de David L'Espèce là juste devant lui, et qui va pas se laisser faire non plus de trop. Et il est bien en Firestone Red désormais. Voilà, il y avait un petit bug visuel sur la voiture de Mitchell. Il est en Firestone Red maintenant, donc en Alternate du coup. Pneu à flanc rouge. Là par contre dans la ligne droite ça devrait pas faire de doute là. Ça va passer pour Mitchell, voilà ce qui est fait. Donc, désormais en troisième position. Mark Veit qui était face à Michael Neveu mais qui rentre au stand pour le coup. Du coup le duel est terminé. Michael Ramos, Nicolas Mel du coup qui nous est proposé. En tout cas, on vous remercie de suivre cette course. N'hésitez pas à interagir sur le chat, hein. Montrez que vous êtes là, vivant. N'hésitez pas à partager aussi un maximum sur les réseaux sociaux. La chaîne de référence du simracing francophone, qui est la Motors. C'est la destination numéro 1, Home of American Motorsports. Et il y a un drapeau jaune dans le secteur 1, en l'occurrence. Et maintenant dans le secteur 2, donc du coup c'est un tout petit peu plus loin. Donc qui se serait sorti peut-être du Casu Nielsenzi, peut-être parce que il était au niveau de ce deuxième secteur au moment où le yellow était sorti. Drapeau jaune secteur 1 à nouveau déployé. Alors oui, la même ouais. Remise des gaz en montée et voilà. C'est ça. Voilà le résultat. Le coup classique une nouvelle fois qui a touché le pilote de la Red Flags Racing, désormais relégué au 27e rang de ce classement. Oh, il y a une voiture qui s'est sortie au secteur 3. Alors, qui c'est? Ce n'est pas... Oh, et Geza Cormos qui n'a plus d'aileron arrière. Il n'a plus d'aileron arrière. Oh, oh, oh. Ah bah ça, c'est pas tout récent. Apparemment, ce serait peut-être lui qui avait sorti le yellow du secteur 1 un peu plus tôt dans ce tour-ci. On va revoir ça. On va prendre le temps. Alors... Oh, à l'extérieur... Ah oui, il a fait... Est-ce qu'il ne serait pas fait un peu embroché, là, quand même Ouais, j'ai l'impression... Oh ah bah ouais. Oui. Eh bah oui. Ah bah ouais, totalement. Et du coup bah oui, il est obligé de faire tout le tour comme ça avec l'aileron arrière en moins. Et par contre, qui est le pilote avec la livrée Penske là un peu qui l'a percuté? C'est la question que je me pose. Ce n'est pas... Oh, Sami Layuni qui est sorti. Sami Layuni, pardon. La Red Flag Racing. Alors, c'est pas Rodrigo Oviedo. Alors, qui ce serait? Est-ce que ce serait pas. Alors, c'est Vallès apparemment. Merci à Pierre Moulinet qui nous donne cette info et qu'on salue. Andrés Vallès. Donc, il vient de repartir des stands. Hein, donc, du coup, c'est moi, il a récupéré son aileron. Mais donc, c'est lui qui est venu percuter, du coup, Geza Cormos. Bon, eh ben. Dis donc. Ça chamaille sur la piste. Donc on va tout doucement approcher de la mi-course. Ouais. Et je pense que Pagenaud, comme je t'ai dit, hein, peut-être stratégie un arrêt parce qu'on est quasi à la mi-course et Mitchell a dépassé. Bah oui, certes, oui. Il se dit, si je perds quelques secondes et je fais qu'un arrêt et les autres en font deux, il y a moyen d'aller chercher la win. Ah, il y a peut-être, ouais. Y a peut-être je vois que ça, sinon il n'y a aucun intérêt à rester en piste. Pas impossible. Donc Geza Cormos est au stand forcément pour faire ses réparations. Tobias Blomshain aussi dans la pit lane. Et Simon qui enchaîne les tours sans passer. Oh là, attention. Oh là, oui. Là, on va un petit peu tondre le gazon là ici à l'extérieur pour Rodrigo Oviedo et Michael Ramos qui rentre au stand d'ailleurs.
pour le dernier cité. Oh là, est-ce que c'est un débris que je vois là ici dans la ligne droite de départ arrivé? Bonne question. On va se mettre sur la caméra d'Irun Gudesun peut-être, qui va arriver dans cette ligne droite. J'ai l'impression de voir de loin un débris. Eh oui, il y a bien un débris. Ouais. Ça ressemble à un morceau d'aileron, non? Je pense bien, oui. Donc il y a un bout d'aileron dans cette ligne droite de départ arrivé. Hors trajectoire, certes, mais du coup, bah oui, ça a forcément fait sortir le drapeau jaune. Un drapeau jaune, entre guillemets, permanent. Oups, là, attention, là, Andreas Vallès. Et voilà pourquoi le yellow reste sorti. Il fait face à Amine Swissi, Andreas Vallès. Pour aller chercher la 19e place. Salut à Tony Motors. Oh, Andreas Vallès qui les repère. Ouh là 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 là. En fait, au même endroit que tout à l'heure, bah oui. C'est pas son virage favori. Il nous refait le même coup que tout à l'heure, en effet. Pour jouer le secteur 1 maintenant. Déployé. Alors, est-ce que c'est... qui aurait provoqué ce drapeau jaune dans le premier secteur? Bon, ben, encore une fois, on se pose la question, mais la réponse, on ne l'a pas. Et Simon Pagenaud au stand, un peu avant la mi-course. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour faire un seul arrêt quand même? Bonne question. Allons voir le fait qu'il mette son expérience à profit, ce que ça va donner. Ah, on a entendu. Il a décidé d'arrêter. Je trouve pénalité for car 78 for causing collision with car 12. En voiture 78 qui se prend un drive-through. Pour la collision avec la 12. Là, c'est Andreas Vallès, du coup. Voilà, c'est suite à l'incident qu'on a vu tout à l'heure. Alors, il y a eu un autre message de. Il y a eu un autre message de pénalité, mais malheureusement, on n'avait pas bien configuré. L'audio, René a mis un peu un volume de son trop faible les messages de la direction de course, donc du coup on n'avait pas bien entendu le précédent. Donc si jamais Nicolas Vissant, qui apparemment serait à la direction de course ce soir, pourrait nous le répéter, ça serait top. Nous l'écrire sur le chat peut-être. Ah, et je pense que il va faire son drive through. Ouais, voilà, il va faire son drive through tout de suite là, Andreas Vallès. Bah, vaut mieux le faire tout de suite, hein, de toute façon. Voilà. Plus jouer grand chose, donc autant purger ça immédiatement. De toute façon, il faut le faire dans les 3 tours. Hein. Ça reste la condition sine qua non et classique du côté toute course automobile. De toute façon, même. Et oui, et j'avais bien vu, c'est bien là, la couleur de Brabham. Oui, oui. Un Brabham eSports. C'est ça. Oh oh. Ouais, j'ai entendu un start là. Entendu un restart, mais aussi un contact avec le mur pour un pilote qui était dans les stands. Sauf qu'il n'y a plus personne, donc du coup je ne peux pas forcément savoir qui c'était. Drapeau jaune secteur 2 pendant ce temps-là. Oh oh oh, ouais, il y a une voiture là. Jérémy Soulet, en l'occurrence. Qu'est-ce qui s'est passé pour. L'un des nouveaux venus sur ce championnat. J'ai mis saoulé. Eh ben oui. Là encore, oui. Parce que lui il est resté. Il a pas retraversé la piste. Contrairement. Voilà. Donc c'est pu repartir. Ah ok, Maïkès, oui. Donc Maïkès qui est du coup Nicolas Vissant. Ok, bah merci pour cette info. Merci d'avoir répété pour nous. Je sais pas s'il y avait eu d'autres messages avant, si c'était le cas. Voilà. Non, on a corrigé le tir. On a corrigé le tir au niveau audio. Comme ça, pour les prochaines fois, au moins, on est opérationnel. Notamment pour l'Indy 500 du début du mois de mai. Que vous suivrez sur notre antenne. Tout comme vous suivrez, on rappelle aussi, au mois de mai, les 24 Stundenrennen auf den Nürburgring 2023.
Donc les 24 heures du Nürburgring, millésime 2023 sur iRacing. Le retour du Nurb version iRacing sur notre antenne cette année. Après pas mal d'années d'absence de cette grande classique de l'Eifel. Et ce sera vivre 24 heures sur 24 sur notre antenne, bien sûr. En non-stop live, flag-to-flag coverage et immersion nocturne au cœur d'une équipe dans la nuit de samedi à dimanche. Multiplex, multi-split, la totale, une fois de plus. Et d'ailleurs, on va pas tarder à vous envoyer les possibilités de nous fournir les line-up des équipes participantes à ces 24 heures du Nürburgring. On précisera les modalités sur les réseaux sociaux dans les prochains jours. Et puis bien sûr, on vous les rappellera aussi à chacune des retransmissions que l'on vous proposera sur notre antenne. Donc voilà deux événements majeurs qui font partie du calendrier du mois de mai sur la chaîne, hein, cette Indy 500, les 24 heures du Nürburgring, en plus de la fin de saison du Super 8 de la FFSA sur Automobilista 2, l'IndyCar qui aura deux autres courses en plus de l'Indy 500, Indianapolis routier et également Detroit, donc à la fin du mois. Les playoffs de la NASCAR, de la Next Level Racing F1 Cup Series Sprint qui démarreront aussi en mai. Du GT3 Challenge, du CFDR également, une manche d'European Endurance Championship aussi. La Clio Cup de l'Hyperion également qui continuera. Puis peut-être l'une ou l'autre incursion sur des événements réels, notamment rassemblement de belles voitures qu'on a ici du côté de l'Alsace, là en l'occurrence sur Haguenau. Les prochaines semaines aussi. Et peut-être d'autres nouveautés aussi ou d'autres annonces qui pourraient lier la chaîne également dans un cadre hors sim racing. La chaîne va faire un peu sa mue. 10 années. Bientôt 10 ans pour la chaîne. Hein, fin 2023 en novembre. La chaîne fera officiellement ses 10 années d'existence. Mais par contre, les 10 années de live, ce sera en mars 2024. Et croyez bien que tout ceci sera quand même marqué également avec des événements spéciaux, des lives spéciaux également. On a hâte, en tout cas, de mettre tout ceci en place. Ça travaille déjà en off. Parce que non, la Motors, encore une fois, n'est pas une chaîne morte. Contrairement à ce que certains pourraient croire. Et encore une fois, on a toujours la même expertise, la même passion, la même volonté de vous proposer le meilleur de ce sport sur la chaîne de référence. Avec les meilleurs abonnés, tout simplement. Les meilleurs lives aussi, les meilleurs commentaires, les meilleures réalisations. Bref, tout ce qui se fait mieux, c'est ici. Et les courses plus serrées. Les plus serrées aussi. Et tu en sais quelque chose quand à chaque fois tu es à mes côtés aux commentaires. À chaque fois, il faut qu'il y ait des écarts de l'ordre du dessous du dixième. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, du dixième, le grand max, je pense qu'on a fait une seconde d'écart sur. Ouais, je pense, oui, voilà. Ouais, voilà. Et encore, les pilotes étaient en même forme peut-être ce jour-là. Ouais. Et même si là, pour le moment, il y a 9 secondes d'écart, bah, vu qu'il y a des pit stops, rien n'est joué. Bah, c'est ça, voilà. Exactement. Rien n'est joué, mais en tout cas, comme on le disait tout à l'heure, Simon, il est P5 maintenant et avec P4. Sa stratégie est peut-être en train de payer là. Rappel, c'était un terrain d'entraînement et c'est une course même d'entraînement pour Simon Pagenaud par rapport au Grand Prix de Barber que vous vivrez ce week-end. Ce sera sur les antennes de Canal Plus Sport pour le coup. Je peux d'ores et déjà vous donner l'heure pour suivre cette course. Ce sera les qualifications déjà, puisque je vous rappelle que cette année, les qualifications sont diffusées également sur Canal Plus Sport pour l'IndyCar. Qualification samedi à 20h55 et la course, le Grand Prix, ce sera à 21h15 dans un week-end sport mécanique assez fourni avec les 6 heures de Spa Francorchamps en championnat du monde d'endurance, avec la nouvelle tribune dans la descente vers le Rédillon. Il va être inauguré pour le coup ce week-end. Ouais, que j'avais pu voir en construction l'année dernière et qui vient d'être achevé. Voilà. On aura la Formule 1 du côté de l'Azerbaïdjan. Alors j'ai cru comprendre que le Grand Prix allait diffuser en clair en plus de ça sur Canal+. J'ai cru comprendre cela. D'ailleurs, j'ai cru entendre ça. Ça va être assez intéressant parce qu'ils ont annoncé un nouveau format et oui, pour les qualifs, je pense que là pour les novices,
ça va être une fois de plus. Ah, ça va être un casse-tête encore une fois. Ouais, une balle à cirer parce que ah, les ouais, gens viennent de comprendre le sprint race et maintenant on leur rebalance un autre c'est format ça, avec voilà. La qualif qui compte pas pour la course mais qui compte pour la qualif. Hein, ouais, bref. Non. Comme c'est... on dit dans le jargon, bon chance. non mais voilà, tout ceci est décidé par Netflix, hein, c'est bien connu. Hein, c'est eux qui gèrent la Formule 1 maintenant. Hein, c'est scénarisé tout ça, vous le savez. Hein, c'est presque, j'allais dire, comme. Comme les séries américaines ou presque comme le catch, j'allais dire, n'ayons pas peur de. Ouais, de exactement. Et après, d'ailleurs, les heures coupées, il y aura la NASCAR à Dover, si je me trompe. Bien sûr, Dover en effet, dimanche soir pour la Cup, la Xfinity, elle sera le samedi sur le coup de 20h30, 21h dimanche pour la Cup. Et puis il y a la MotoGP qui sera sur le sol européen, exact. Du côté de Jerez de la Frontera aussi, MotoGP, Moto 2, Moto 3. D'ailleurs, Johan Zarco qui a fait un roulage aujourd'hui au Paul Ricard. Donc peut-être essayer de retrouver un peu de confiance ou. Bonne question, mais en tout cas il a fait du roulage au Paul Ricard. Ouais, le retour en Europe. Pas sur une moto GP. Ouais, le retour en Europe qui est synonyme de Grand Prix d'Espagne et puis qui s'en suivra deux semaines plus tard du Charquel-Metz Grand Prix de France qui sera le 1000e Grand Prix de l'histoire de MotoGP pour le coup. Qui va être un sacré événement. Ah oui, ça c'est clair. Hop là, attention qui... Là, Jason Cornos là qui a vu que les balade, plus rapides hein. arrivaient derrière, il se dit bon autant les laisser passer et faire un petit tour dans le gazon. Alors que je salue Allcart sur le chat, Mr Alan Roussel, qu'on s'amuse bien comme il se doit. Oh, et un abandon à signaler, c'est pour Jérémy Soulet. Alors pourquoi cet abandon? Pourquoi? C'est une bonne question. Oh oh, ça semble. Ouais. Alors, déjà ici, il y a cette sortie, il y a la réaccélération. Et puis après, il a fait marche arrière. Repartir ensuite. Et puis perte de connexion, je crois. Ah, dommage. Ouais, ça a l'air d'être une perte de connexion. A vu comment la voiture se comportait, ça c'est malheureusement un packet loss là, une perte de connexion pour le pilote. C'est dommage. Ouais. Et on trouve David Lespès face à Ricardo Fava, là ici, duel pour la cinquième position. Ça se rapproche, hein. Ça va se battre à SCV. Hein. Exact. Il suivait depuis quelques tours, mais là il le suit, David le suit comme son nom. C'est ça. Ah. Oh, même si là c'était un peu musclé, mais il a pas forcé, heureusement. Non, mais je pense qu'il a, il s'est dit ça peut-être passer. Au final, il s'est ravisé, mais il a eu le bon réflexe au bon moment, là, David. Il a mis ses coronets, mais les a vite retirés. Oui. Mais en tout cas, ça met la pression sur Ricardo, qui commence à fauter, qui a une roue dans l'air, mais là, qui a perdu du temps. Subit la pression, là, Ricardo Fava. Et David de la salle sur le chat qui nous dit oula, pas le genre de move auquel David nous a habitués. On le salue, David de la salle, à qui on pense régulièrement les lundis soirs ces temps-ci, un lundi sur deux avec la Clio Cup de la Hyperion sur iRacing. La tradition de la Clio Cup du lundi soir qui avait été initiée au sein de la FFSC à l'époque. Et David faisait partie justement des têtes pensantes et dirigeantes aussi. Géniteur, que dis-je, de cette compétition un petit peu. Alan Markham pour l'instant va quitter au stand. Secteur 2. Est-ce que c'est un peu plus tôt ou est-ce que c'est un peu après? Non, on voit encore les. Là, c'est un peu devant, ouais. Ouais. Il va falloir faire gaffe, les amis. Bon, ça va. Il est resté ouais, sur il reste hors piste. Oh, David. Oulala. Oh là là, oui. Ah, il donne tout là, je crois qu'il en a marre d'être derrière. Alors, je me demande si c'était pas Julien Lemoine là qui s'était sorti. Ou devant lui peut-être. Non, c'était bien lui. Ah non, c'était lui. Il était au ralenti. Qu'est-ce qu'il nous a fait notre turbo Juju là dans ce coup. Alors, voyons. Petite figure. Oui. Un quasi. Ah, un 360. Ah, il a de la chance de s'en mettre déjà dans le bon sens de la marche. Ouais. Et en plus de ça, de ne rien avoir percuté ni personne. Exactement.
Ah ouais, la note artistique. Ah oui, là, oui. Elle est pas mal. Bon, je mets 9,5 parce qu'il n'a pas mis les talons en l'air. Mais bon, ça après, Ouais, exactement. il n'est pas retombé sur ses pointes. Entre gros guillemets. Et attention, bataille en tête. Mitch Hoyer, Valentin Soleillac. Donc Alan Narkema passe Kevin Strugala aussi dans le top 10 en l'occurrence. Là, c'est il y en a un qui est content. C'est le troisième, hein, Simon, parce que au plus il se bataille, bah, bien sûr. Premier, et au plus il perd du temps, et au mieux c'est pour lui. Mm. Ça va même l'aider dans sa stratégie. Ouais, 17 secondes d'écart entre Mitch Hoyer et Simon Pagenaud. Et là, la petite erreur de Valentin Soleillac. Il va pas se laisser compter pour autant. Hein. Alors, malheureusement, on n'a pas l'accès à l'information quant à savoir la quantité de push to pass qui reste pour les pilotes. On ne peut pas avoir d'informations comme c'est le cas dans l'IndyCar réel si vous regardez les retransmissions, que ce soit sur Canal ou même sur NBC Sports aux États-Unis. Et là, il y a des retardataires. Il faut se frayer un chemin parmi tout ce monde. Attention, en plus, il y a un drapeau jaune dans le troisième secteur. Et là, Mitch Hoyer, bah, oui, il va être un tout petit peu coincé derrière cette voiture. Une voiture Red Flag Racing, si j'ai bien reconnu. Oh, le débris qui a disparu, hein, le débris dont on parlait tout à l'heure dans la ligne droite arrière. Enfin, dans la ligne droite de départ. Téléporté. Hein. Ou qui a été peut-être évacué au passage d'une autre voiture, qui sait. Hein, c'est pas impossible non plus. On s'écarte bien là aussi pour laisser passer. Voilà, très fair play. On laisse la bataille de tête se jouer. Sacré souvenir parce qu'elle a donné la nouvelle Clio sortie hier, nous dit David sur le chat. Ah oui, parce que j'ai cru pouvoir passer une news qu'en effet il y avait une nouvelle Clio Cup arrivant sur Air Factor 2. Bon, je sais pas si c'est un mode officiel, enfin si c'est un contenu officiel Studio 397 ou si c'est un mode on va dire officiel quand même, aussi un minimum. C'est bien un mode. Ok. Après, attention qu'il y a des contenus parfois ajoutés gratos hein, aussi sur RF, même si ça se fait un peu plus rare malheureusement ces derniers temps. On va rentrer dans le dernier quart d'heure avec toujours ce duel en tête. Valentin Soleillac versus Mitch Hoyer. D'ailleurs, puisqu'on parle de Barber et qu'on est à Barber, c'est le terrain de la première victoire de Joseph Newgarden en 2015. Ouais, en effet, et là Mitch Hoyer qui va faire l'intérieur à l'épingle. Et pendant ce temps-là, il y avait un drapeau jaune. Il y avait un drapeau jaune et un pilote qui était sorti de la piste. Ça va être remords, hein. C'était limite. Est-ce que on va quand même revoir ça? Est-ce qu'il y avait un drapeau déployé Bénéfice du doute, j'ai envie de dire. Alors. Non, là il fait les freins et non, il n'y a pas de drapeau jaune agité. Ah si, là il y est. Mais le dépassement s'est fait juste avant, je crois. C'est ça, exactement. C'est vraiment la microseconde. Je crois qu'il s'est fait vraiment juste avant là pour le coup. Ouais, je pense, comme je t'ai dit, il aura le bénéfice du doute parce que là c'est vraiment dans l'instant T. Hein, c'est. Il avait déjà préparé son mouvement, il était déjà dans l'action. Je pense pas que ça change grand chose. Alors on va revoir. Sauf justement. Si consigne inverse. On revoit la vitesse ralentie, puis après on reviendra sur le direct bien évidemment. Alors là vous voyez, là il freine plutôt Valentin Soleillac et là on voit le drapeau jaune. Hein. Il est là, mais officiellement ouais, ils sont pas dans la zone. C'est ça. Et il a les roues devant déjà, je pense. Ouais. Là à ce moment-là, oui, en effet, il était bel et bien déjà devant au moment où cela s'est fait. Pour le coup, donc voilà, pas de doute possible. Donc le dépassement est bien et maintenant, valide. Michi qui va tomber dans le trafic, mais là il va falloir faire gaffe parce que il peut avoir des erreurs devant lui. Oui. Et s'il se montre trop pressant, il peut se faire emporter. Et... je ferai attention. Wow, voilà, tu vois, même un pilote regarde. Qui sera juste devant Mitch Hoyer. Je ne suis pas Nostradamus, mais... ah mais non, mais là... Voilà. Non, mais...
On n'est pas chez Netflix non plus, mais voilà, Non, on fait quand même la course. non, non, qu'on s'y trompe pas, hein, qu'on ne s'y trompe pas, là, Andrés Valles, là, qui était en perdition totale, là, dans l'avant-dernier virage. On ne l'a pas payé pour se mettre dans un mur comme Nelson Piquet. Non! Ah, il n'y avait pas Flavio pour décider de tout ça non plus, hein, cela dit. Alors. Oh là 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 là. Et en plus, qu'il Mais mettait je le pied dedans sentais, tu sais. sur l'accélérateur en plus de ça avant de remettre la voiture Ça, dans le bon sens. c'est le flair de la course, je le sentais. Bah, c'est ça. Bah, c'est l'œil du manager un petit peu que tu es. J'ai envie de te dire. Ouais, non, c'est vrai, c'est l'expérience, tu vois, tu le Hop! sens. Yann Gudesen? Voilà. Non, c'est Ricardo Fava, pardon. Ricardo Tu Fava. sens quand il y a des trucs comme ça, c'est tellement. Tellement flagrant que ça se passe bien qu'il va se passer quelque chose. Ouais, c'est ça! C'est complètement ça! Sami Layouni qui sort des stands pendant ce temps-là. Alors qu'il n'y a plus vraiment d'écart serré pour l'instant sur la Ouais. piste. Trois abandons et on salue le Jay qui nous dit blasé par la décor pour la décor random. Ouais. C'est Jérémy Soulet en l'occurrence. Alors, je vais poser deux questions à Jérémy Soulet, du coup. Parce que. Et un drapeau jaune secteur 2. Drapeau jaune secteur 2, bien évidemment, pendant ce temps-là. Est-ce que. Il y a un lien de parenté ou pas avec un certain Maxime Soulet, pilote réel. Fils de Marc Soulet, ancien rallyman belge. Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Non, pas du tout. Ok, bon, bah, du coup, ça s'arrêtera là. Rien à voir, ok. Oh, on ne sait La jamais, hein. question a été vite répondue. Oh, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Non, faut pas être désolé, voyons. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Gérard Gandbuff ici sur David Van Mulhem. Ouh là là là. Ça se touche un peu sur le frein là. Par contre, est-il belge? Es-tu belge? Ah, après, j'arrête avec la question. Là, il y a un petit train qui commence à se former, là. Non plus! Eh ben, dis donc! Ah ben, caramba, encore raté! Ouais, ça, c'est le Ça drame va de être ma vie. un deuxième train, là, qui se met en Ouais. place. Ricardo Fava, juste derrière Nicolas Mel. Deux en jaune. Le drapeau jaune, en effet, qui était présenté dans le secteur 2. Et c'était. Dans cette zone-ci, ouais, une Ah voiture ouais, ralentie encore, là. y a un aileron qui traîne d'ailleurs, hein, dans Oui, le gazon. aussi. Alors, quelle est cette voiture qui était tout ralenti? Oh là, oui. Oh. Il manque bien l'aileron Il manque avant. des morceaux là, non? Alors, maintenant, va-t-on savoir qui c'est? C'est pas Andrés Valles, déjà, ça je peux vous le dire. C'est Sami Layouni, j'ai l'impression. Ouais, ce serait bien lui. C'est bien Sami Layouni. Très probable. Ouais, c'est lui. De Red Flag Racing là, comme une course difficile là. Oh, Ah, mais c'était et un pas tout peu sale. seul, c'était pas tout seul cette affaire. Oh là là, Oh là ouf, là. Ah oui, mais là c'est. freinage complètement Là, il y a raté là. de. Ouais, mauvaise compréhension là. Oh là, ouais. Petit moment de déconcentration, j'ai Alors, l'impression. avec qui était-ce ça? Est-ce que c'est avec Jean-Christophe Mercieka? Effectivement, c'était bien avec lui, et du coup, il est au stand suite à cela. Aïe 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 aïe. Là, le petit groupe de trois là qui est toujours là. Oh, deux Attention. plongeons à l'intérieur et ça a l'air de passer. Ouais, Elle Ricardo Fava qui la perd. Ah là C'était là là Valentin là là Soleillac, hein, là qui là était là. avec Nicolas Mel et Ricardo Fava. Décidément, Non cette mais. remise des gaz, elle est C'est. pas facile, hein. Mais déjà l'année passée, hein, déjà sur la saison précédente, hein, du championnat de la Red Flag Racing, il y avait déjà eu pas mal de pilotes qui se sortaient sur la réaccélération justement de ce virage-là. Donc c'est vraiment pas un phénomène isolé pour le coup. Et du coup, il reste moins de 10 minutes et la question est de savoir est-ce qu'ils vont s'arrêter une deuxième fois ou pas. Ah ah! That's the question, my friend. Là en effet. Exactement. Donc là pour le coup. Alors bien sûr, là on nous met qu'il y en a qui ne se sont pas arrêtés du tout, chose qui est complètement faux, hein, voilà, hein, ça je vous le Ouais, dis tout bah de suite. oui. Donc, Ça se saurait sinon. oui, voilà, c'est ça, hein. Ce sont des IndyCars, hein, ce ne sont pas des tankers, hein, non plus, hein, faut pas déconner.
T'as une certaine capacité de réservoir, mais bon, il faut quand même changer les pneus aussi de temps en temps. Ça. Je vous rappelle que ici, le carburant, on le met encore en pleine course, hein, contrairement à d'autres disciplines. 70 litres maximum et à peu près 2 litres partout. Wow, attention! Ah, dommage. Tour de Cassino Senzi, là, qui est... l'a échappé belle. Pas de gros dommage, je pense, mais c'était tendu. Wow, avec Stanislas Pajot là qui s'est fait une grosse chaleur, notre consultant là. Ouais. Bon, voyons cela. Depuis la voiture de, du pilote de la Red Flags Racing. Alors déjà là c'était juste. Alors ensuite. Fermez la porte un peu tardivement. Ah, il a clippé un peu le gazon. Ah oui, il y a quand même eu touchette. Ouais. Il y a quand même eu touchette. Il a eu de la chance de passer. Drive through penalty for car number 11 for causing collision with car number 89. Alors, voiture numéro 11, celle de Sami Layouni, pénalisée d'un drive through. Oh, et un abandon. Rodrigo Oviedo. Course terminée pour Rodrigo Oviedo. C'était dans le top 15 de cette épreuve. Pourquoi a-t-il abandonné? Est-ce que ce serait pas une perte de connexion? Non, c'est une sortie et il a été tapé. Oh, dommage. Il a été tapé. Et Michi qui a un gap de 7 secondes 8 sur Valentin Soilax, ça commence à être important là. Il reste 6 minutes. Ouais, ça. Il reste un autre arrêt, mais là. Michi, il a fait une disparition là. Une seconde 4 de reprise sur le tour précédent pour Simon Pagenaud sur Valentin Soilax. Eh oui, il s'est arrêté beaucoup plus tard, donc sûrement les pneus un peu plus frais, et en plus il est en super tendre, enfin en rouge, en donc tendre, ça peut faire la différence. Les Firestone Red qui sont en train de montrer leur efficacité peut-être encore maintenant. Donc, Mark Veit, lui, fait face à David L'Espèce pendant ce temps-là pour la cinquième position. Ouais, il se rapproche là, hein. Là c'est très proche, il y a 3 dixièmes... Mark Veit avec ses couleurs d'Abrabam. Hein. Ce tour précédent, il a roulé plus lentement que David Espèce, mais David était en tour de sortie de stand apparemment. Ça. Oh, attention avec le retard d'atterre qui gêne et ça. Ah oui, la Mark Veit, il doit un petit peu ronger son frein là, oui. Du coup. Le retard d'atterre qui fait la chicane mobile là, c'est pas. Ah bah, faut faire c'est avec. Pas simple aussi à gérer. Hein. Tobias Blumshine aussi qui a abandonné. Je l'avais pas signalé. Mais ça vient d'arriver à l'instant. Oh oh, est-ce que ce serait pas une déconnexion? Eh ben si. Ah oh, alors non, c'est pas une déconnexion. C'est une pénalité peut-être qui n'a pas été respectée. Drapeau noir, j'ai l'impression. Ah ben là. Parce que c'est pile après avoir passé la ligne d'arrivée que. Ouais. Il s'est retrouvé dans les stands. C'est vrai. Même s'il est indiqué en DNF et pas en disqualified. Mais Mark Veit, du coup, qui a perdu 5 dixièmes avec le retard d'atterre, bah donc oui. Ça donne un peu de d'espace à David L'Espèce. Sans faire de jeu de mots. Ouf, oui, oh là là, c'était recherché ça, si je puis dire. Mais cela dit, pas mal trouvé. N'hésitez pas à continuer d'interagir sur le chat, évidemment, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à sub. Je vous rappelle, ceux qui ont une petite couronne de valeur pseudo, vous pouvez sub gratuitement hein, pour avoir accès à des emojis exclusifs, badge d'abonnés, retransmission sans les coupures publicitaires commerciales que Twitch pourrait vous afficher durant les lives. Et puis en plus de ça, vous avez également accès au replay VOD en avant-première avant leur mise en ligne sur YouTube, alors qu'il y a un autre pilote sans aileron avant. C'est ouais. En l'occurrence Yann Meurant. Et merci le J pour le sub, merci beaucoup. Voilà, via Prime, ça coûte rien comme je disais. Et là oui, c'est à la réaccélération. Bah, décidément, ce virage-là, il aura plus de victimes aujourd'hui. Hein. Je pense que sincèrement, hein, si quelqu'un avait mis une cagnotte qui touchait 10 balles à chaque sortie dans ce virage. Oh attention, qui s'est sorti là? Qui est sorti là? C'est Jeroen Goudesson, le pilote flandrien. Comme tu dis, dans ces deux virages en question. Il serait reparti avec une belle cagnotte. Ah bah, ça c'est clair. Alors, pourquoi il s'est sorti comme ça, Yeroun? Non, ça c'est rien, ah c'est rien, oui. C'est rien, vous inquiétez pas.
Ça, c'est normal. C'est un bug air factor quand on l'enclenche les replays, nous, de notre côté. Il n'y a que nous qui sommes concernés. Les pilotes ne voient pas ça, je rassure tout de suite. Allez, elle était gênée visuellement, là, en fait. Ça a gêné visuellement et du coup... Déconcentré un tout petit peu. Excursion étant désagréable. C'est ça. Ça va, ça reste un moindre mal, ça va, il y a pire. Voilà. On est sur Mark Veit face à David Lespès pendant ce temps-là. Toujours, alors que Mitch Hoyer, 12 secondes 3 d'avance sur Valentin Soleillac. Drapeau jaune déployé dans le troisième secteur de ce circuit. Oh, attention, une voiture arrêtée à l'intérieur là. Quelle est cette voiture arrêtée? Alors que Sami Layouni a été disqualifié pendant ce temps-là. Alors, quelle est cette voiture bleue qui était à l'intérieur? C'est Mikel Ramos. Voilà. Alors, Mikel Ramos. Hop là. Ah oui. Perte de contrôle sur cette petite butte là ici. Aussi, c'est quelque chose qui peut arriver de temps à autre. On a déjà eu l'occasion de voir ça dans la réalité aussi. Et là, du coup, il doit faire tout le tour. C'était non, il aurait pu rentrer au stand. Ou alors, il décide d'aller comme ça jusqu'au bout. Sachant qu'il reste que 2 minutes. C'est étrange bon. Comme réaction, non ? Il reste peu beaucoup de temps dans cette course. Donc, ça peut se comprendre dans un sens, mais c'est quand même dangereux. Attention, Mark Veit là, ici. C'est allé fort large. Tout faire pour remonter sur David Lespès et le passer devant, mais malheureusement là ça semble difficilement envisageable. Du coup 5 abandons et un pilote disqualifié du coup dans cette épreuve de Barber. Donc il ne reste plus que 26 voitures en piste sur les 32 au départ. Il y a quand même pas mal de dégâts donc. Cette troisième manche de la saison, je vous rappelle que la prochaine manche, et ça, c'est une course à ne surtout pas manquer, ce sera le dimanche 7 mai. Oui, un dimanche et non un mardi. Parce que ce seront les 500 miles d'Indianapolis. Ils font partie de ce championnat. Ce sera la seule course ovale de la saison d'ailleurs dans cette série IndyCar de la Red Flags Racing. Et je pense aussi à ça, hein. Comme le dit David sur le chat, Layouni s'est peut-être fait disqualifier parce qu'il n'a pas fait son drive-through. Je pense aussi la même chose, David. Ouais, c'est plus que probable, je crois. Ouais. En tout cas, moi, je ne vois que cette seule raison plausible expliquant cette et justifiant cette éjection de course. Si je peux m'exprimer ainsi. Vingtaine de secondes restantes, à mon avis, Mitch Hoyer doit être dans le dernier tour. Un peu de circulation devant lui, il a un peu de trafic. Il s'était quand même chaud sur le moment. Plus que 10 secondes, oui, ce tour sera bel et bien le dernier de cette épreuve de Barber. Attention, ça sortait large. Mais pour Mitch Hoyer, il n'y aura pas de doute possible. Il va aller réaliser sa première victoire de la saison. Et oui, pour le champion en titre. Enfin, il va débloquer son compteur ici à Barber Motorsport Park. C'est fait. Mitch Hoyer, vainqueur de cette course. Numéro 3 de la saison. Valentin Soleillac va terminer de son côté à la deuxième position. Et puis sur le podium, Simon Pagenaud, bien entraîné du coup. Pour le Grand Prix de ce week-end à Barber. Exactement, bonne gestion. Bonne stratégie de sa part. Hein. Ouais, David Lévis, quatrième de son côté. Suivi ensuite par David Lespès, cinquième. Et Mark Veit qui finit derrière sixième. Lui, puis Arthur Fouché, septième. Ouais, juste derrière. Ouais. Les écarts très serrés. Alan Narquemin a déjà franchi la ligne d'arrivée. Il n'y avait que 7 pilotes dans le tour du leader, hein, pour info. Alan Narquemin, 8e. Nicolas Mel, 7e. 8e place pour Ricardo Fava. La 9e pour Michael Neveu. Puis ensuite, Gérald Gandebeuf, 12e. 13e place pour Jeroen Goudesson. Kevin Strugala, 14e. 15e place pour David Van Mullem.
Puis après cela, on a Amine Swissi, 17e. 18e place pour Rodrigue Castar. Todu Casino Senzi, 18e. 19e place pour Stanislas Pajot, notre consultant du début de saison. Mickaël Ramos, 20e. 21e position pour Mathieu Leclerc. Puis ensuite, on a Jean-Christophe Mercieka. 22e. Puis Andrés Valles, pardon. 23e. 24e place pour Julien Lemoine. La 25e pour Jeza Cormos. Yann Meurant, 26e. Puis ensuite, les pilotes ayant abandonné. Rodrigo Viedo, Tobias Blumschein, Jérémy Soulet, Kevin Gouillat, Pierre Mouinet, puis Samy Layouni qui a été disqualifié pour ne pas avoir obtempéré aux injonctions de la direction de course d'observer son drive-through. En tout cas, voilà pour ce qui est de cette manche numéro 3. Alors bien sûr, restez avec nous puisqu'on va retrouver le podium dans quelques instants en interview. Et donc du coup, vous aurez l'occasion d'entendre Simon Pagenaud sur notre antenne. Eh oui, mesdames et messieurs, oui. Pilote réel sur la Motors. C'est eh oui. Pas donné à tout le monde. Regardez sur toutes les chaînes, vous ne trouverez pas ça. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a qu'ici, de toute façon, que cela est possible. Alors qu'on salue David Tintinclos. Salut, salut. Et qui demande hello, comment David. Va le bah oui. Ah bah très bien. Oui. Très bien, salut l'ami. J'espère que tu as suivi la course. Hein. Ah bah. Sinon, on te tire les oreilles. Lui qui en plus vient d'intégrer le staff des consultants de la Motors avec brio hier soir lors de la course de Clio Cup. David, qui on retrouvera à l'une ou l'autre occasion, bien sûr, sur la chaîne quand la disponibilité lui permet, bien sûr. Alors que je salue aussi Bastien Dumonnet et Jetro HD. Salut à vous, messieurs, qui arrivez, bon, certes, à la fin de la course, hein, mais bon, voilà. Mieux vaut tard que jamais. Exactement. Mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit dans ces cas-là, bien entendu. Même si, bon, voilà, de toute façon, il y a le replay VOD. Je vous rappelle, les VOD disponibles en avant-première pour ceux qui sont sub à la chaîne hein, sur Twitch. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les retransmissions de la chaîne de référence du Sim Racing francophone qui est la Motors. Sinon, les replays sont aussi accessibles gratuitement sur YouTube. Il faut être patient, il faut patienter plusieurs heures avant leur mise en ligne et leur disponibilité. Vous pouvez les retrouver en intégralité 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, bien sûr, pour les autres réseaux pour nous suivre, Facebook, toute l'actu. Bien entendu, régulière. Et puis Instagram avec de nombreux partages faits en story et aussi des insides sur des événements réels sur lesquels on est amené à se déplacer également. Donc voilà, l'expérience 360. Et quand je dis 360, c'est pas pour rien, vous comprendrez les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois. Le classement de cette course, qu'on a quand même vous affiché, récapituler cela. Voilà. Donc avec Mitioyer, donc vainqueur devant Valentin Soleillac, Simon Pagenaud, David Lévis, David Despès, Marc Veit, Arthur Fouché, Alain Narquemin, Nicolas Mel et Ricardo Fava. Top 10. Ouais, pour le top 10 effectivement que tu le signales, cher Bino Pesé. Il y a quand même des écarts hein, qui auront été faits dans cette épreuve. Seulement les 7 premiers qui sont dans le même tour que les leaders, donc le rythme a été soutenu quand même encore une fois devant, faut-il le dire. Regardez ce classement en tout cas. Et ensuite la deuxième page, ici, Mickaël Neveu, Gérald Gambeuf, Jeroen Boudesen, Kevin Strugala, David Vermulem, Amine Swissi, Rodrigue Castar, Théo Ducasse, Senzi, Stanislas Pajot, Mickaël Ramos. Ça concerne donc le top 20. Et puis la troisième et dernière page. Ensuite, et enfin, non, pas dernière. Et on en aura encore une juste après. Mathieu Leclerc, Jean-Christophe Mercieka, Andrés Valles, Julien Lemoine, Jeza Cormos, Yann Meurant, Rodrigo Viedo, Tobias Blumschein, Jérémy Soulet, Kevin Gouillat. Pour les 4 derniers cités, malheureusement, ils ont été contraints à l'abandon. Et ensuite, la dernière page avec Pierre Moulinet. Et donc Samy Layouni, qui a été, lui, de son côté, disqualifié. Et donc, voilà pour... l'ensemble des résultats de cette épreuve de Barber. Alors on va avant d'avoir
Le podium, bien sûr, on va marquer une petite page de pub, hein, bien sûr, bah, il faut bien un peu ravitailler, et puis aussi commencer pour notre cher René à la réalisation, le montage du générique de fin. Donc on part une petite pause pub d'environ 7-8 minutes, et puis ensuite on est de retour en direct pour vivre les interviews d'après-course, donc la pub, et puis on se retrouve juste après pour les réactions des podiumistes du soir. A tout de suite, restez bien avec nous.
Alabama. Barber Motorsport par Alabama, donc le troisième rendez-vous de la saison d'IndyCar que vous avez suivi. On va passer aux interviews d'après-course en compagnie du podium de cette soirée. Oui, dans cette semaine rythmée par l'Alabama entre l'IndyCar ce soir à Barber et demain, on vous rappelle, la NASCAR sur iRacing à Talladega. Pouvait pas être plus dans les conditions, hein, et vraiment dans cet état en l'occurrence. Et on va commencer avec Michi Hoyer, donc le vainqueur de ce soir. Bonsoir à toi tout d'abord, Michi. Bravo pour cette victoire. Hein. Enfin, le compteur est débloqué en cette saison. Toi qui es champion en titre, raconte-nous un tout petit peu ta course. So, congratulations, first of all, Michi Hoyer, for your win. You finally unlocked your winning counter, I will say, in this championship. After winning the title last year, tell us about your race. How was it for you? Yeah, it was a pretty interesting race. Obviously, great qualifying performance, and the car was in real good shape. I was able even to pull a gap then on the primary tire, which I was surprised of. But I just followed my usual strategy, and I thought the circuit is pretty hard on the tire, so I went for a two stop, and then like with roughly 33 minutes to go, I was like, hang on. Those other guys might be on a one-stop right here, so it was like gloves on or gloves off, and drive as quickly as possible, and then getting the final part of the alternate strategy, I want to call it, them right and spot on, was very important for pulling off the win then in the end. Obviously Valentin was really good in defending, and I had to somehow find my way through on the alternate tire even, but yeah, just waited for the right opportunity and then went with a dedicated move, and that paid off. And yeah, rest was sailing home then. Ok. Ludo, qui est avec moi, ouais, commentaire, du coup... pour les traductions, je t'en prie. Hi Michi. Du coup, Michi disait que il avait appliqué sa stratégie habituelle, sauf que, comme il disait, c'était assez chaud, pas. Notamment au niveau de... Alors, j'ai juste précisé pour Simon, effectivement, puisqu'il est sur Discord avec moi, en fait, ouais, exact, mon cher Ludo, exact. Pour les traductions. Mais il vous salue tous les trois, d'ailleurs, Ludo Peset, qui est à mes côtés aux commentaires. Et du coup, comme il le disait, ça a été chaud, et notamment, il a précisé avec Valentin, où il y a des batailles, et il a juste creusé les méninges pour essayer de le dépasser, faire le move de la victoire, comme il le disait. Et après, la deuxième partie de course, il a dit que c'était vachement compliqué, il a dû se retrousser les manches, parce qu'il voulait pas faire un deuxième arrêt. Et donc du coup, il a fait son max pour rester en piste et garder l'écart et essayer de creuser même l'écart sur Valentin et Simon. Voilà, donc bon, il a parvenu à faire cela comme il se doit, avec en plus une belle avance encore une fois à l'arrivée. Maintenant, tu te sens peut-être, Michi, un tout petit peu plus libre peut-être pour la suite de la saison, maintenant que ce compteur de victoire est enfin débloqué. Now you are a bit less of pressure for the next round of this championship now that you won this race. The next one will be Indy 500. What are your expectations for that big one, I will say? I gotta say, like, the Indy 500 is 197 lap survival, and then be in the right place at the right time, and then like three perfect laps, and like that, those 197 laps of racing can take up to two and a half hours, and like, so easy to do a mistake there. I think it's an extremely challenging race, because if it's just of the nature, everyone's going full beams, the draft, you need to be right in the ballpark at all times. If you ever lose the draft to the leading group, you might never make it back to it. So I think it's going to be an extremely interesting experience. Obviously there have been a couple of kind of Indy 500s, well, it's more like Indy 250s that we did. So this is probably going to be like one of the first real proper ones, and I'm really looking forward. I think it will be a huge challenge, and literally everyone can win, and yeah, that's going to be interesting, but surely winning it would be absolutely awesome, and would be a huge step. Believe into that. Ludo, pour la traduction du côté de Discord. Du coup, Mitty disait que ça va être un gros challenge, parce que là, comme il disait, c'est pas une Indy 250, c'est une Indy 500, donc 2h30 de course. Et en gros, il disait que c'est une course qui se fait en paquet, et faut
faut avoir le drafter, quoi. Et c'est quelque chose qui est pas facile à faire. Tout le monde veut gagner, tout le monde a ses chances. Et là, de rester concentré pour 2h30 challenge sur Oval, ça va être son plus gros challenge. Mais comme il le dit, ça en vaut la peine pour lui de pouvoir se mesurer face aux autres pilotes et à ce challenge. Mais aussi, comme il le dit, c'est surtout intéressant parce que voilà, celui qui la gagne, c'est que ça sera quand même un sacré event, quoi. Une belle ligne qui s'ajoute sur un CV, une victoire à l'Indy Exactement. 500, ça c'est incontestable. Et je pense que sur ce podium, il y a quelqu'un qui peut très très bien en parler. On va revenir avec lui dans quelques instants d'ailleurs. Mais tout d'abord, on va remercier Mitch Hoyer d'avoir été avec nous et on va encore le féliciter pour sa victoire. So, once again, congratulations for you, Mitchy, for winning this race. Vielen Dank! Thank you. Once again, as a neighbor that you are from me now. Yeah. And maybe some three or four words in German, I will say for some of your German audience that could watch on VOD or live, maybe just a few words. Yes, so danke an alle für die Unterstützung heute. War ein großartiges Rennen und hoffe, hat euch Spaß gemacht. Danke. Sehr gut. Vielen Dank. Tschüss and see you in the next round, Bye Michi. bye. Bye bye. Allez, on va pouvoir enchaîner maintenant en français. Ça va être plus facile pour moi, je vais pas vous le cacher. Avec Valentin, pour le coup, qui a terminé deuxième. Valentin Soleillac. Première participation, si je dis pas de bêtises, là, sur ce championnat. Valentin, comment je me Hey, souviens de toi? bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir, ouais. Première participation, en fait, je me suis mis en réserviste parce que je savais que je pourrais pas faire toutes les manches. Et donc voilà, première manche ce soir pour moi. Et du coup, une belle expérience. Deuxième place, longtemps à la lutte hein, face à Mitch Hoyer. Et puis sur la fin, ça... il a pris le dessus. Hein, Ah, totalement. longtemps la lutte, mais en fait, il était en pneu hard quand moi j'étais en pneu soft, donc je savais très bien qu'une fois qu'il allait mettre les softs et que moi j'allais passer les hards, il allait décoller quoi. Ouais, mais c'était plus serré que ce que j'aurais cru. Ah Donc, ouais? content. Moi, j'aurais pensé qu'il me mette vraiment beaucoup plus de secondes que ça. Dans une expérience positive, positive plutôt Ouais, très au final. positif. Bon, Ouais. voilà. Et puis maintenant, la prochaine, ça va être quand même une sacrée échéance, hein. Ah L'Indy bah Indy 500, 500, j'espère là. prendre ma revanche sur l'année dernière où je crois que j'abandonne à 10 tours de la fin, un truc comme ça. Ah oui, donc. Faudra Donc hâte aussi. espérer faire mieux. Et puis, courir là sur ce tracé de Barber, c'est un circuit plaisant, selon Et ben toi? je connaissais pas du tout, j'ai Ah ouais? découvert et vraiment gros kiff, ouais. Ouais, Ah bah. super intéressant. Bon bah. Voilà, espérons que tu rouleras encore sur ce tracé, du coup, à l'avenir. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis, du coup, on nous parlait sur le chat, hein, parce que tu avais quelques Ouais. spectateurs qui étaient là pour te soutenir, notamment It's a Fock, nous disait Alban Bouquet. Fock, j'écris comme l'animal, hein, attention, hein, mais à la Oui, française. oui, Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, peut-être Bah, en fait, notre team s'appelle Racing Seals Experience. Et Ok. c'est un délire autour des phoques, en fait, on s'est appelé comme ça, et donc voilà, simplement. Bon, voilà, c'est comme quoi on peut voilà allier un tout petit peu biologie et sim racing, mesdames et messieurs, hein, voilà, et art de la mer aussi un tout petit peu du coup. Bon, en tout cas, bravo pour ta deuxième place, du coup, Merci. Valentin, et puis au plaisir de te retrouver aussi du côté d'Indianapolis. Ouais, et à Voilà, bientôt. à bientôt. Et s'il y a un À homme bientôt. qui connaît Indianapolis? Oui, mesdames et messieurs, c'est Simon Pagenaud qui est avec nous. Bonsoir Simon, merci d'être là avec nous. Podium, ça y est, ton compteur de podium se débloque aussi cette saison. Raconte-nous un tout petit peu comment tu as vécu cette course qui, on rappelle aussi pour vous les spectateurs abonnés qui peut-être arrivaient en cours de route, peut-être découvrir le championnat, peut-être découvrir aussi l'IndyCar, qui sait, sert de parfait entraînement, je veux dire. Hein, de gros entraînements en tout cas pour le Grand Prix qui aura lieu ce week-end à vivre sur les antennes de Canal d'ailleurs. Et oui, merci déjà de nous diffuser, c'est génial. Et personnellement, c'est un super entraînement puisque le tracé est absolument identique à la réalité déjà sur Air Factor 2. La voiture est hyper proche également de ce que je peux ressentir dans la vie réelle. Donc c'est vraiment une opportunité pour moi de pouvoir m'entraîner, de pouvoir partager ma passion en plus avec une super communauté qui s'agrandit. On a
Maintenant, on doit avoir des réservistes pour les courses, tellement on a du monde. Donc c'est un plaisir de voir l'engouement qu'il y a pour ce championnat que Red Frags a monté à l'origine et avec qui je suis impliqué. Donc ça, c'est super. Et puis personnellement, en tant que Français, évidemment, à l'origine, c'est une communauté qui avait démarré française. Bah, ça fait plaisir de pouvoir rouler avec des Français, de parler français, et on voit de plus en plus qu'il y a également des étrangers qui viennent, donc c'est super. Voilà, mon objectif a toujours été de faire découvrir l'IndyCar, et je trouve on le fait bien, et je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse ici, et il commence à y avoir un sacré niveau. Donc en effet, difficile de rejoindre les podiums en sim racing parce qu'il y a un gros gros niveau. Michi nous fait toujours un plaisir énorme à être présent puisqu'il nous permet d'avoir vraiment un étalon. Et puis Valentin, première course, fait une superbe course et vraiment bien piloté. Donc j'ai essayé de le rattraper à la fin, mais en vain. Mais ça a été pour moi un plaisir, c'est ma passion. Évidemment, c'est aussi mon métier, mais c'est Bien ma sûr. passion avant tout. Et je me suis régalé aujourd'hui avec une approche un petit peu différente des autres courses en fait, puisque ça comprend un petit peu mieux comment régler la voiture pour le sim racing et j'étais un peu plus agressif sur les réglages et ça m'a aidé. Est-ce que parfois, justement, c'est une question qui me vient comme ça, ces réglages que tu fais pour les courses virtuelles, est-ce que ça peut être parfois d'une certaine aide? Et aussi parfois de regarder les télémétries, d'analyser cela, ça peut parfois aider pour la course réelle ou bien c'est vraiment deux mondes à part entre les deux. Ah, très honnêtement, entre Long Beach et Barber, qui sont des tracés absolument parfaits de la part de Air Factor, j'ai fait énormément de tours sur ces deux circuits depuis le début de l'année pour me préparer au maximum. Et il est vrai que j'ai découvert avec cette voiture avec laquelle j'ai un peu souffert à Barber les années précédentes, qu'il fallait avoir un réglage très différent de ce que j'avais dans le passé pour aller vite. Donc ça permet de débloquer des barrières de temps en temps et puis d'avoir une approche qui est voilà, on peut faire un tour, s'arrêter, faire un changement, repartir. Donc on devient très efficace sur les changements à faire sur la voiture et ça emmène dans des directions qui peuvent être utiles pour la réalité. En tout cas, c'est bon à savoir. Ça, c'est déjà très très intéressant là pour le coup. Exactement. Pour le coup, ce week-end, donc, Barber Motorsport Park en réel, c'est quoi un petit peu tes attentes? D'abord pour la course réelle, là, je parle quand on jouera. Donc, je vous rappelle, ce sera à suivre. Pour les qualifications, on le redit ce samedi. Hein, je vous rappelle puisque cette saison Canal+ Sport retransmet les qualifications cette année. 20h55 samedi soir et puis le Grand Prix dimanche 21h15 là aussi sur Canal Plus Sport encore pour vivre le Grand Prix. Donc tes attentes là-bas, Barber, réel pour le coup pour My Shank Racing bien sûr. Ouais, on a un début de saison un peu difficile, donc j'espère pouvoir redresser la barre et commencer à marquer des gros points. C'est un circuit que j'aime beaucoup, qui est très vallonné, qui est très très à la fois très rapide et technique. Et voilà, il faut avoir un gros cœur, donc et une voiture qui fasse vraiment une avec le pilote ou le pilote qui ne fasse qu'une avec sa machine. Voilà, c'est l'objectif. Évidemment, il faut se qualifier bien puisque c'est un circuit comme ça va vite, il y a beaucoup de turbulences aéro et il est important de partir en avant du peloton. Après, en course, il faut gérer les pneumatiques, gérer l'essence. Il y a beaucoup de stratégies, mais c'est un circuit que j'aime beaucoup et qui me réussit bien en général. Voilà, j'ai hâte d'y être et puis je me suis bien préparé. Je pense que je me suis prouvé à moi-même aujourd'hui que je me suis bien préparé. Donc, C'est clair. on y va avec beaucoup de confiance. De la confiance comme il faut pour ce rendez-vous donc de Barber, je vous rappelle donc à vivre dimanche sur les antennes de Canal. Et puis pour ceux qui sont en Belgique aussi et qui nous regarderaient et qui nous écouteraient, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les courses en résumé d'une cinquantaine de minutes le mercredi soir après les week-ends de course sur VU Sport World pour les abonnés au câble. Donc n'hésitez pas là aussi si vous êtes amateur d'IndyCar puisque vous avez l'Indy 500 en intégralité et gratuit pour les abonnés de vous en Belgique. Aussi, j'en profite pour placer ce petit mot par la même occasion. L'Indy 500, maintenant que la Red Frags met en place dans le cadre de ce championnat, on t'y compte présent ou pas, mon cher Simon, selon ton planning? J'aimerais beaucoup parce que Ah! j'adore les ovales et je me suis fait un plaisir à déposer une section qui s'appelle Simon Tips
pour les Ok. ovales et comment régler sa voiture, comment approcher les ovales. Et voilà, c'est carrément tout oublier des circuits routiers. C'est une discipline très technique, tout dans le détail, où le moindre petit détail a une grosse influence sur la vitesse de la voiture. Et c'est une discipline qui me passionne. Donc malheureusement, je ne pourrai pas être présent puisque je serai moi-même Bah en oui. essai pour le vrai Indy 500. Donc je serai à Indianapolis à ce moment-là, mais je regarderai. Et je souhaite aussi dire que l'on recrute à Red Frags, on recrute des commissaires, on recrute des pilotes, et on veut essayer d'agrandir ce championnat et de faire en sorte d'avoir un maximum de gens qui viennent se joindre à nous pour partager leur passion avec nous. Bah ouais, donc l'IndyCar, on apprécie cette discipline, hein, on le dit, on le répète un peu, le mot d'ordre de la chaîne c'est le Home of American Motorsports, un tout petit peu, hein, entre l'IndyCar, donc ce championnat sur Factor 2, la NASCAR sur iRacing, donc on rappelle demain à Talladega, on reste dans le même état, hein, voilà, hein, il y a quelques miles d'écart entre les deux circuits pour le coup, et puis le sports car, comme on l'a dit, avec iRacing encore, donc voilà, il y a vraiment ainsi de quoi faire tout au long de cette saison donc, et puis bah, bien sûr, on va te suivre, Simon, bien entendu, sur Totalement. les courses réelles, et Ludovic, qui est à mes côtés sur Discord aussi, le confirme par la même occasion. Et puis, bah, bien évidemment, la suite de la saison aussi virtuelle, bien sûr, qu'on suit sur Benjix Motors en intégralité. Et ça nous fait grandement plaisir. Encore une fois, merci pour la confiance qui nous est accordée pour assurer les retransmissions. Bah, merci à la Red Frags et merci à toi aussi, du coup, Simon, puisque tu es conjointement dans la mise en place et l'organisation de ce championnat qui est une belle réussite. Et encore une fois, good job pour avoir réalisé tout ceci, je tiens à le dire. C'est clair. Et en plus, ça fait plaisir de commenter ces courses. Eh ben, en plus, plaisir pour Ludo de commenter, qui plus est. Donc voilà, tout le monde est heureux, tout le monde est content, et puis les abonnés aussi. Et petit message, je le dis vite fait, de Ledger sur le chat qui dit: j'avoue que depuis le début de la série, je regarde quasiment tous les highlights des courses, hein, en parlant de l'IndyCar réel. Bah oui, hein, quand même. Hein. Même parfois, il y a des fuseaux horaires parfois qu'il faut regarder un petit peu plus tard. Mais on est toujours là. On est toujours là à suivre quand on est amateur de sport nord-américain. Bah, c'est mon cas. Je parle en mon nom personnel. Parfois, s'il faut veiller jusqu'à des 2-3 heures du matin, pas de problème. On est là. On est passionné et on vit la T'es course pas le jusqu'au bout. seul. Quand c'est le week-end, samedi, dimanche, hein, c'est plus facile dans la nuit de samedi et dimanche. Et après, pour les autres soirs, on s'adapte. Mais vous inquiétez pas. On est passionné. C'est le plus important. Mais on va vous libérer, messieurs. Simon, Michi et Valentin, encore une fois, merci à tous les trois pour le temps que vous nous avez accordé. Et pour bravo encore pour votre course fournie. Donc, bah, rendez-vous sur l'Indianapolis Oval, donc l'Indy 500, pour ceux qui seront là pour le virtuel. Et puis, bah, Simon, bah, encore une fois, tout le meilleur pour toi du côté de Barber ce week-end. Et puis, bien sûr, à Indianapolis durant ce mois de l'Indiana, hein, très clairement. Et puis, bah, on croise les doigts, on croise tout ce qu'on peut pour que tu aies les meilleurs résultats possibles, évidemment, pendant tout ce temps. Merci Benjix, bravo Michi et bravo Valentin. Ah. Bravo everyone, bye bye. Salut, Bye. merci messieurs. Bye. Voilà, bah, du coup, nous sommes de Allez, je file retour aussi. Bonne chance Simon pour ce week-end. Merci beaucoup. Ciao, Ciao, ciao. merci. Voilà, il y a les pilotes voilà, qui se saluent et qui se disent les au revoir et les aimabilités, les politesses qu'il faut. Et ils ont bien, bien raison, pour le coup. Toujours intéressant, hein, comme d'avoir l'avis de Simon, hein, pour le coup, Ludo. On a cette chance quand même sur ce championnat, faut le Ouais, dire. totalement. Pour les pilotes aussi, pour les pilotes virtuels, c'est un boost, clairement aussi. Et c'est des conseils, on l'a entendu, hein, il nous parlait d'une section de tips, donc d'astuces pour le pilotage sur ovale. Ça peut clairement aider aussi. Hein. L'un, Ah bah en c'est fait, clair. l'un dans l'autre. Le réel aide le virtuel, le virtuel aide le réel aussi, en fait. C'est vraiment la conjonction des deux, quoi. Exactement. Et là, comme il a dit, Simon, de donner des tips de quelqu'un qui a son expérience du réel virtuel, y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour ceux qui veulent apprendre et bien apprendre. Donc, bah voilà, c'est franchement, il n'y a que du positif à retirer de tout ça, et il faut que, j'espère, on pense, enfin moi je pense que les pilotes doivent quand même savourer ces moments de vécu en compagnie de Simon Pagenaud. Voilà, donc bah, encore une fois, nous on a eu de la chance ce soir, mesdames et messieurs, nous avions Simon Pagenaud avec nous, un pilote réel. On rappelle, vainqueur de l'Indy 500, champion IndyCar 2016 aussi, vainqueur de l'Indy 500 2019. Voilà, hein, c'était une
un grand souvenir, évidemment, qui restera dans les mémoires de beaucoup de monde, ça c'est clair, au niveau francophone et au niveau sport automobile, ça s'il en est, bien évidemment. Bon, ben voilà, il faut rappeler les réseaux sociaux, encore une fois, de la Motors, qui plus est, donc Facebook, Instagram, toute l'actu en temps réel, plus des bonus initiales exclusifs qui sont nombreux, partage plutôt en story via Instagram, YouTube pour retrouver tous les replays disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7, en intégralité gratuitement et aussi trié par playlist selon les championnats, bien entendu, et par section également, donc selon les licences retransmises. Et puis vous n'oubliez pas aussi Twitch pour les lives, bien sûr, à retrouver et à suivre dans leur intégralité. Et vous pouvez également avoir accès au VOD replay, bien sûr, si vous êtes sub à la chaîne Twitch, bien sûr, là aussi petite exclusivité pour vous, en plus d'avoir badge d'abonné, emoji exclusif et retransmission sans coupure publicitaire que Twitch pourrait vous afficher pendant les retransmissions. Voilà, comme ça, tout est dit là pour ce rendez-vous. Maintenant, bah, le prochain, ça va être quand même l'Indy 500, hein, ça va être quand même un sacré challenge pour les pilotes dans ce championnat. On oublie tout, toute notion qu'on a pu avoir sur les circuits routiers. Là, c'est une approche complètement différente à laquelle les pilotes vont devoir faire face d'ici donc le 7 mai, en l'occurrence, Ludo. Ouais, clairement, hein, l'Indy 500, c'est the event pour l'IndyCar. Donc là, je pense que là, en termes de sim racing, ça va être plus ou moins la même chose. J'espère pouvoir être là. Mmh. Et pas sur une course. La saison a commencé, donc on va voir ce qu'on peut faire. Bien sûr. Mais je sais qu'au pire des cas, il y aura de très bons remplaçants, très bons consultants. Oui. Donc je m'en fais pas pour ça. Mais en tout cas, l'IndyCar sur la BenJX, ça fait plaisir. Honnêtement, on s'ennuie pas. C'est des courses d'une heure, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est des courses qui durent 15-20 minutes. Je pense que pour le public aussi, même si ce soir il y a eu un plus grand écart entre les concurrents par rapport à l'habitude, mais il y a du challenge. En plus, bon, il y a Simon, quoi, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ça, dans quel championnat de sim racing tu trouves quelqu'un avec un tel palmarès qui en plus prend le temps exact de faire des interviews après course avec bonne volonté et en plus te donne des tips pour t'améliorer en piste. J'ai envie de te dire, trouve-moi la personne. Nulle part, ça se trouve nulle part, ça. Et encore une fois, on a ce grand privilège au sein de la Motors de pouvoir vous proposer tout ça. Et encore une fois, Home of American Motorsports, plus que jamais. Et ça se confirme, vous voyez, encore une fois, le calendrier, donc la prochaine manche, l'Indy 500, 7 mai, sur les coups de 17h, à vivre en direct, avant ensuite le reste de la saison, que vous allez pouvoir suivre dans son intégralité. Chez nous, bien sûr, les rendez-vous de la chaîne pour la fin du mois d'avril et le début du mois de mai, si on vous les récapitule là ici un instant. Donc demain, déjà, direction Talladega, donc la Next Level Racing, bien évidemment, IFRN Cup Series Spring 2023, donc la NASCAR, autrement dit sur iRacing, Talladega 270, à vivre demain dès 21h, le grand frisson à grande vitesse. Ça, clairement, il faut être là, il faut être au rendez-vous parce que ça va être une sacrée course à vivre sur notre chaîne. Puis ensuite, mardi prochain, le Super 8 de la FFSCA du côté de Dayton avec les Cadillac DPI, avant ensuite la finale qui aura lieu en Nissan R89 CA Spa-Francorchamps version 1993 pour le 16 mai, deux semaines plus tard donc. Le GT3 Challenge saison 2 de la FFSA qui sera en Mugello le 4 mai, avant d'ensuite prendre la direction de Kyalami le 25. L'OIAC pour la 8ème manche du championnat francophone Dirt Rally Spring 2023, le CFDR sur Dirt Rally 2.0, 5 mai pour la manche numéro 8. Puis ensuite ce sera Riga en Lettonie deux semaines plus tard. L'Indy 500, on l'a dit, donc le 7 mai, avant ensuite de se retrouver le 9 mai pour l'Indianapolis, mais version routier, puis ensuite Detroit le 30 mai sur les coups de 21h15. Alors après ça, on aura encore la Clio Cup de la Hyperion eSport sur le circuit de Manicourt pour la troisième manche avant d'aller à Rutskogan les 8 et 22 mai prochains. On continue ensuite avec la Next Level Racing Fan Cup Series 2023, pardon, qui aura sa dernière course de saison régulière au Kansas le 10 mai après une semaine de pause. Et puis ensuite on enchaînera avec les playoffs Darlington, North Wilkesboro, qui fait son arrivée dans ce championnat. Et ce sera pour respectivement les 10, 17 et 24 mai. Les 24 Stunden Rennen auf dem Nürburgring
2023, les 24 heures du Nürburgring 2023 sur iRacing à suivre les week-ends des 13 et 14 mai en intégralité live, en exclusivité bien sûr sur la chaîne du Sim Racing francophone là encore. Et puis qu'est-ce que j'ai encore j'ai tout dit je pense ici dans les rendez-vous qu'on aura en tout cas durant ce mois de mai, bien fourni en programme, et encore une fois on espère que vous en serez présents et nombreux pour suivre tous ces rendez-vous que l'on vous propose et que l'on vous concocte avec grand plaisir, et que vous nous suivez évidemment, c'est ce qui compte pour nous. Votre soutien est incontournable et surtout très important, et votre fidélité aussi est de rigueur bien sûr pour vous proposer toutes ces courses comme il le faut. Merci aux pilotes encore une fois pour la belle course qu'ils nous auront proposée ce soir. Merci encore une fois à la Retrax Racing, à Simon Pagenaud pour la confiance accordée en lumière technique et de production de Benjix Motors pour assurer la retransmission de ce championnat. Merci Ludo pour tes excellents commentaires ce soir, ça a été un plaisir encore une fois d'être à tes côtés. Bon, ce soir les deux premiers n'ont pas fini sous la seconde, mais bon c'est pas grave, il peut y arriver de temps en temps que ça arrive ça. Ouais non, franchement très belle course comme d'hab, super pilote, et j'espère être là prochainement. Ouais, eh ben on espère aussi en tout cas. Si je suis pas là prochainement, je représenterai la Benjix. C'est bien, c'est très très bien, et t'as bien raison de le faire en tout cas. Encore une fois, la chaîne est là dans les cœurs aussi de ses consultants également. Merci enfin à vous les spectateurs et abonnés d'être toujours présents, fidèles au rendez-vous que vous fixez plus que jamais, la chaîne du référence, la chaîne de référence du SimRacing au niveau francophone. Oui, c'est ne cherchez pas plus loin, c'est ici qu'il faut être et c'est nulle part ailleurs. Donc je salue encore une fois aussi tous ceux qui nous ont suivi de Jojo Drift aussi, plus de Forza 7, Forza 7 c'est depuis longtemps, hein, c'est mort et enterré et maintenant Forza 7, on attend le prochain, on sera là bien sûr, ne vous inquiétez pas. Bonne soirée à tous, à très vite, et puis merci encore une fois de votre fidélité. À demain du côté de Talladega, on reste en Alabama, mais on fait juste quelques miles. Ciao, à demain, bonne soirée à tous. Ciao.